Chers aventuriers, bonsoir et bienvenue à cet épisode 16 d'un stream dont vous êtes le héros. Je m'appelle Duf et je fais la lecture de livres dont vous, à la maison, êtes le héros. Si c'est la première fois que vous vous joignez à nous, eh bien bienvenue. J'espère que vous aurez beaucoup de plaisir. J'ai eu quelques follow le pas long. Il y a Carl Delo qui a suivi, il y a Steffi qui a suivi également. Si vous êtes là, ben bienvenue à vous. Voilà. Et si c'est pas la première fois que vous assistez au stream, eh bien, qu'est-ce que vous colissez ici? J'ai sincèrement aucune tabarnak d'idées. Mais je vous remercie du fond du cœur. Et là, oui, ici, là, on a perdu mon bras parce qu'il y a des plantes de tomates. Bien à faire. Donc, ce soir, encore une fois, je serai accompagné du charmant Monsieur Toto Lavigne. Bienvenue, Toto! Hey, allô! Allô! What's up? C'était oh ça, my god, c'est bien plus beau qu'avant! C'est tellement plus beau, man, t'as aucune idée, c'est malade! Hey, on voit ma grosse bédaine en HD. C'était ça, la technologie. le beau chandail des expos, fallait pas manquer ça, quand même, là. Ouais, là, c'est vraiment hey, HD, France là. Québec, salut, man! What's up? Hey, merci pour les bits, Calva, c'est mes premiers bits. Je suis content. Ah. Merci, False. Oui, Toto en HD, c'est nouvelle technologie à la fin pointe. Écoute. Vois-tu que ça sortirait de même, mais serait lavé à la face, quelque chose, en tout cas. Ben, j'ai une caméra qui a de l'allure, puis je le fais pas. Fait que, I guess que c'est pas suffisant. D'ailleurs, parlant de se laver la face, j'aurai dans les prochains mois de plus en plus de poils, parce que j'entretiens à partir de maintenant ma barbe du Movember. Afin d'avoir ah oui, une ça, c'est bien superbe ça. Moustache rendue au mois de novembre. Là. C'est mon habitude tous les mois de novembre, ça que je fais. Mais tu pars d'avance, toi. Ouais, je cheat. Tu fais pas comme. Mais non, mais c'est bien correct. Moi, de toute façon, tu le vois bien. Je suis à l'année. Moi j'ai lâché ça le Movember. Moi, je suis à l'année. Je prends pas de chance. Ben, je le suis à l'année d'habitude aussi, mais c'est. Tu sais, des fois, changer de visage. Moi, je change de visage comme je change de bobette, là. Fait que. Des fois, je me rase, des fois, ah je me rase. Ah ouais, t'es le même, tu. Fait que. T'es un caméléon. Oui, je suis un caméléon. Pareil comme le. Moi, j'ai le même look depuis. 87, je pense. Ah, mais. Okay. Moi, la seule affaire qui est une constance, c'est. Mes cheveux. Là, c'était pas le cas pendant le confinement, mais là, c'est revenu. Ouais, ouais, mais. Fait que là, ce qu'on voit là, c'est la chevelure comme standard, la chevelure de base. C'est en plein la ça. La chevelure normale, parfait. Là, je vois Joël qui dit que je change une bobette une fois par mois, effectivement. Ça, c'est mon secret. Le secret de mon charisme, je dégage, comme on dit. T'sais, on n'est pas obligé de tout partager non plus. Non, c'est ça. Donc, ben voilà, comment a été ta semaine, Toto? Hey, honnêtement, Dove, j'avais vraiment hâte d'être ici. Je vous épargne les détails, mais c'est une semaine très difficile. Gestion de crise à l'interne, à plein de niveaux. La merde à pogner dans plein de sphères de ma vie. Donc, pas moi personnellement, là, rassurez-vous, mais en tout cas, des choses que je dois gérer, des choses que je vis, des choses qui se passent aussi, je sais pas, de toute façon, t'as Facebook, tu le sais que ça va mal, c'est mal, c'est pas à toi ouais, effectivement, que j'apprends ça. J'avais pas les nouvelles au moment du stream, mais ça m'a rattrapé assez vite. Là, belle ouais, c'est ça, pis... d'affaires. Là. Ouais, fait que c'est ça. Disons que je suis un peu morose, un peu plate, et que j'avais donc hâte de venir ici de me changer les idées, parce que s'il y a une affaire qu'on va faire à soir, c'est bien se changer les idées. Je suis tout à fait d'accord, puis c'est encore une fois, c'est un honneur pour moi de t'accueillir parmi nous. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à faire ça avec toi, c'est malade. Si, j'aime vraiment là, ça, merci. Soudainement, on a Kidosh qui s'abonne au niveau 2. Ben merci Kidosh, Calvar, ce que tu fais là. Pourquoi? Sors le cash. Mais Krim, merci Kidosh. C'est donc bien fine. Puis elle a une emote. Ben oui, elle a débarré Miss Pancras. Là, il y a plus juste Sébastien qui l'a à cette heure-là. C'est terminé cette ère de v'là 5 minutes. Donc, ouais, là, on fait référence à Homehead Manicouagan que je vais... Le stream a rapport à, en fin de compte, là je m'exprime mal. Il se passe plein d'affaires, là, j'étais un peu dépassé par les événements. À ce soir, là, ça. Donc, oh oui, t'as vraiment.
T'as pas un des chats les plus populaires, mais t'as de loin un des chats les plus actifs, par contre. Ils Ça, c'est sont vraiment, verbaux. vraiment cool. Ouais, mais c'est Je parfait, suis un ça. petit peu là-dessus. Et là, Ben qui s'abonne au niveau 2. Voyons donc, calvasse. Man, Oh, mais c'est parce que c'est toi, donc vrai. t'es noble. Tu sais, moi, je l'ai dit d'emblée que les abonnements, je vais tous me les mettre dans les poches. Fait que là, personne s'abonne. Mais toi, t'avais Ben, une moi bonne je m'abonne à cause. toi. Moi je m'abonne à Toto Lavigne. Abonnez-vous à Toto Lavigne aussi, hein. C'est bien important. On a bien du plaisir. D'ailleurs, on va faire la petite plug demain soir, c'est Heritage Night in Canada. Et là, c'était un peu un test que, en fait, c'est toi qui faisais le test, c'est toi qui prenais les risques, mais je vais quand même en prendre les dividendes, c'est-à-dire que demain, Heritage Night in Canada, ça va se faire en HD. Mon collègue Joe Simon ne sera plus flou et on va pouvoir faire ça comme il faut. Ça va être malade. Au passage, je l'ai écouté en différé la semaine passée, puis c'est vraiment frustrant parce que je peux pas commenter au fur et à mesure que les Ouais, jeux c'est avancent, le puis fun les de commenter, c'est le punitions. fun de l'écouter live. C'est pour ça aussi qu'on a décidé de pas l'enregistrer. On préenregistre certains bouts là, du show, mais on s'était demandé est-ce qu'on préenregistre tout ou est-ce qu'on en fait des bouts live. Finalement, ben on se rend compte que l'aspect live est quand même important. Fait que Ouais, absolument. voilà. Mais c'est tellement important, je te jure, man. Je réagis tout le long parce que ça me tentait d'écrire des affaires par rapport aux différents jeux, aux différentes punitions. Ouais, D'ailleurs, il y a quelque chose qu'il faut l'arbitrage, hein. que. D'ailleurs, il faut que je te parle de quelque chose à exactement 2 heures. Il manque un tabarnance. Puis ça, je sais que c'est important pour les gens qui font un pool. Oh! Donc, C'est bien ça, je note. Écoutez, c'est écoute. hein, bon, Joe Simon qui fait un travail colossal, des fois il en manque, ça arrive. Non, mais gars, c'est effectivement, comme tu le disais, une job colossale. C'est fou. Puis ben, c'est très apprécié, En tout cas, sérieusement. donc Je voilà. pensais pas triper sur l'héritage comme je trippe à l'écouter avec toi puis Joe Simon, là. C'est vraiment spécial comme feeling. Bon, ben voilà, demain 20h sur mon Twitch, barre oblique Toto Lavigne. Voilà. C'est un rendez-vous. Là-dessus, allons-y pour les drinks. Dans un premier temps, il y a Ben dans le chat qui s'est abonné, qui vient juste de s'abonner niveau 2. Encore une fois, merci. Qui m'a rappelé que cette bouteille existait, n'est-ce pas, le sortilège? Alors à ce moment-là, je vais m'en taper un petit pour toi. Oh! À ta santé. Et puis à la santé de Toto et tous ceux qui sont dans le chat, mesdames et messieurs. J'espère qu'on va avoir une belle soirée ensemble. À avancer dans l'aventure parce que là, ça regarde mal Ben là, pour le colonel Mécormick. si tu sors le sortilège, pour moi, on va avoir du fun. Non, mais ça va être mon seul et unique sortilège. J'ai pas l'intention de me péter à la fraise. Mais je me suis Ben dit oui. qu'étant donné qu'il m'a quand même fait don d'une caméra, puis de ce merveilleux breuvage, je suis aussi bien de l'honorer en lui disant un gros merci, en lui levant mon verre. C'est Donc, sûr. je lève mon verre. À tous vous autres, dites-moi ce que vous buvez dans le chat, ça me fait très plaisir de vous lire. Il y a Pimadan qui boit notre ale numéro 9. C'était ça la bière 100% québécoise que je parlais l'autre fois. C'est merveilleux. Donc, ben, santé tout le monde. Étape numéro 1, fait. Oh. Et là, il y a Pascal qui me traite de chicken. Fuck you. Un shooter à chaque Un mort, shooter non, à c'est chaque non. mort, non, Et là, ça suffit. sérieusement, le colonel McCormick, ça regarde pas bien pour lui. Donc, je ne ferai pas un shooter à chaque mort parce que ça va être bien trop intense. Sinon, message numéro 2. Ce soir, je vais toujours accompagné de mon énorme verre aux proportions démesurées. Je ne m'abeuverai pas à la Saint-Pancras, du moins pour une partie de la soirée seulement. Je vous explique. J'ai dans les mains une Palm Bay à saveur d'ananas et mandarine. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale. On est le lundi le 13 juillet. C'est l'anniversaire d'une très bonne amie à moi qui, malheureusement, nous a quittés pour un monde que j'espère meilleur. Sinon, elle serait probablement ici ce soir. Et là, elle adorait les affaires sucrées. C'est une belle petite bébite à sucre. Et alors, j'ai pris pour habitude à toutes les années de m'en taper une. Je bois jamais des affaires tant sucrées d'habitude, mais une fois à la date fatidique et une fois à son anniversaire, c'est toujours de mise. Et là, je le débouche et je le verse à la santé de tous ceux qui ont connu Mademoiselle Erika Valois. Santé tout le monde, on vous aime fort.
Je fais ça pour la princesse. Je le ferai pas pour grand chose d'autre. Hey, check-moi ça, c'est fucking jaune, mais c'est comme solide, là. Ouais, ça a pas l'air de ton genre de drink. Je te connais pas beaucoup, Duff, mais j'ai pas l'impression que c'est ton genre de drink habituel ou ton go-to drink, mettons. Non, moi, je suis un gars de whisky, donc tout ce qui est... Ouais. tout ce qui est fort, qui a beaucoup de corps puis de présence en bouche, mais ça a une présence un petit peu weird dans mon palais. Ben, c'est du jus. Voilà. C'est du fucking jus, on s'entend. Alors, et voilà, ça, ben ça, écoute, c'est la numéro 1. Tant mieux. Et puis, moi, je bois de la... Ouais. Vas-y. Moi, je bois de la Miller ce soir. Miller Genuine Draft. D'habitude, je suis à Coors Light, mais comme je vous l'ai dit, j'ai eu une semaine un peu difficile, fait que j'ai passé le cran au-dessus. C'est malade. C'est la Miller, là. C'est la Miller Genuine Draft. Ben, pour laquelle je suis zéro commandité, en passant, fait que achetez pas ça. Je suis pas commandité. Allez pas acheter ça. J'en ai déjà acheté. Je suis quand même guilty également. Comme je te disais, là, je vais travailler sur ta commandite de Molson. Là, j'ai un contact, mais pour l'abattre. C'est comme pas tout à fait la même chose. Là. Non, ça va pas l'abattre. C'est pas la même affaire. Mais sinon... Ah, ben si tu peux m'avoir tu peux m'avoir des Budweiser. C'est l'abattre qui distribue Budweiser. Les Budweiser ouais. Stubby, là, comme dans le temps. Les vieilles bouteilles, là, t'sais, les petites bouteilles. Les bouteilles plates, là, pas de goulot, genre. Ah ouais, les Stubby, qui appellent là, les petites bouteilles des années... ben, en fait, des années... 10 jusqu'aux années, mettons, 80. Ça a été des bouteilles, donc. Ça, j'avoue, c'est tout le temps plaisant, genre, de boire au mini nipple. C'est tout le temps spécial. Et pour le reste de la soirée, je serai accompagné d'une sinueuse pour me remettre la bouche, à proprement dit, en état. Alors, là-dessus, je ne suis plus commandité par la microbrasserie Saint-Pancras, mais je les remercie et je vous encourage à acheter le produit. On les salue. Et merci pour la bière gratuite. J'aimerais ça en avoir d'autres, s'il vous plaît. On s'en jase. Donc, ben voilà. Il y a Kidoche qui est sur le café. J'adore le café. Encore là, une bonne boisson qui réveille. Là, c'est rendu que je dis de la marche. Toi aussi, même de passer sur le récapitulatif. Là. Ben oui, parce que d'abord, parce que c'est ça, à un moment donné, on va enchaîner. Et deuxièmement, parce que moi, c'est à toutes les fois, c'est pareil, je me dis, à la fin du stream, je me dis, là, je vais m'en souvenir, j'ai mis mon signet, puis tout. Puis finalement, j'ai besoin du récapitulatif, puis je me souviens de rien. Ben, c'est sûr, moi, si j'avais pas pris des merveilleuses notes tout le long, je serais un petit peu fourré aussi. Et c'est quand même bon de savoir d'où est-ce qu'on est parti pour savoir où c'est qu'on s'en va. C'est très important. Ne pas répéter les erreurs du passé. Donc, nous incarnons le fantastique colonel McCormick, propriétaire d'une papetière, donc le pourquoi qu'il a un petit chapeau en papier sur la tête. C'est un mage de fortune. Il a été entraîné... à la va-vite par le mage Yastromo, ouais, c'est ça, voilà. Yastromo, donc, qui a entraîné le colonel McCormick pour lui enseigner des sortilèges qui sont les suivants. Ouverture de porte, sommeil de la créature, lumière et feu. Sortilège de feu a été quand même bien utile lors de la dernière game. On a bypassé le sort de création de l'eau. Ce qui est très dommage pour nous, parce que c'est un petit peu ça qui nous a tapé dans le pied en commençant. On aurait eu besoin une couple de fois, là, déjà. Absolument. Une chance qu'on avait des... On avait voyons. Des cactus. Une chance qu'il y avait des cactus. Mais ça a pris un esti de bout avant qu'on se rende aux cactus. Anyway, on est à Pont-de-Pierre. Yastromo dit « Yo, j'ai besoin d'un volontaire parce qu'il y a Malbordus qui veut détruire la Terre en ramassant 5 statuettes de dragons. » Et puis là, il faut qu'on se rende à Vatos dans le désert pour ramasser les statuettes avant que lui ne s'en empare. Alors c'est là qu'on est parti directement. On a bypassé un bateau de flibustiers qui nous aurait amené à une place qui s'appelle le fleuve du poisson chaud. On a dit fuck that. On est parti direct dans le désert. Rendu là, on s'est fait attaquer par des harpies. On a trouvé un médaillon sur un sol brûlé. On a dit what the fuck, on est décollé. On a trouvé une maison en flammes avec deux elfes qui se battaient contre un autre dude. On a battu les deux elfes, ramassé un arc avec deux flèches.
On s'est envolé à dos d'aigle géant envoyé par Gastromo pour nous aider. On s'est fait attaquer par un ptérodactyle de feu. Ben, pas de feu, mais je veux dire, il torchait le ptérodactyle. On lui a garoché une flèche et en voulant garocher la deuxième, on a droppé notre arc en bas de notre monture. Ouais, ça a vraiment mal été, ce bout-là, ça a mal été. Malheureusement, oui. Ben, c'était cool parce qu'il y avait les statistiques de l'aigle et les statistiques du ptérodactyle. Puis notre personnage avait essentiellement aucun rapport dans l'histoire. C'était une formule que j'ai appréciée. Ouais, c'était cool de faire le combat comme un peu à l'extérieur, sauf qu'en même temps, on était impliqué parce qu'on était quand même sur le dos d'un des deux combattants. Donc. Absolument. Oui. Là, on a continué dans le désert après une victoire. On a trouvé un coffre dans une bête morte depuis des centenaires, une bête monstrueuse. À l'intérieur de ses os, il y avait un coffre. Il y avait un pot en grès. On a pété le pot, mais il y avait un gaz empoisonné. Fait qu'on a perdu des affaires. On a perdu de la vie, comme on dit, dans le métier. On a aussi trouvé un cactus qu'on a fendu pour le boire. Qu'est-ce qu'on a fait, donc? On a rencontré un basilic. Ouais, on a rencontré un basilic. Et puis, on a mis le feu afin qu'il nous regarde pas. Et puis, ça a été fructueux. Le basilic a décollissé. Ce qui est un win pour nous autres. Sinon, on serait instantanément mort. On a trouvé des traces dans le sable. On les a suivies. Il y avait une tente. Et puis, dans cette tente-là, se trouvait un grand homme barbu qui était ben smart. Il nous a donné de la bouffe. Il nous a vendu un paquet de cossins. Mais solide, on a tout acheté dans sa shop après avoir passé au vote. Et puis, on s'est dirigé de pas vers Vatos. En arrivant vers Vatos, il y avait un ver géant qui nous attendait afin de défendre justement ce temple mystérieux. On l'a battu, mais comme ça nous a pris du temps en Saint-Tabarnak. On a perdu des vies à côté. Oh oui, ça a été un combat très rude. Absolument. Tellement qu'on a perdu notre barre de vie qui, normalement, est comme en bas de Toto. Pour le remplacer par un compteur de mort. Ce qui a monté notre total à 6 après un jet de dés assez rocambolesque. Ensuite, on était dans le désert, on a trouvé une gourde d'eau. On a déliré un petit peu à cause de la force du soleil. Mais là, on est arrivé devant Vatos, on a trouvé la porte qui était ensevelie sous du sable. On a casté le sortilège d'ouverture de porte pour pénétrer dans Vatos. Ça a donc été un succès. Une fois dans Vatos, on a trouvé un coffre qu'on a ouvert et il y avait un casque en métal poli que l'on a d'or-chef mis sur notre tête. Et puis ça nous a donné un bonus, c'était un excellent casque. On a aussi rencontré une forme spectrale qui nous a accroché par derrière puis qui nous a dit « Fatal ». Oui, c'est vrai. Ce qui fait en sorte que si, en se promenant dans Vatos, on voit toutes les lettres du mot « Fatal », eh bien, I guess que nous serons morts. Il va arriver de quoi? Shit indeed. On a pris un couloir de gauche. Ça nous amène où ça? Moi, excuse. Dans le concret, ça nous amène à quel paragraphe? Dans le concret, on arrive à 65. Parce que là, on a pris à gauche, on est passé devant une tapisserie qu'on s'en est collissé, on a sauté par-dessus un gouffre, on a... là, j'ai marqué cochonnerie. Il y avait des cochonneries, les gars. Ah non, ça! On a sauté un ravin, on a passé devant une fontaine d'eau qu'on a dit « fuck it, on est parti ». Puis là, on s'est fait attaquer par un œil géant, porc-épic. Et cet œil-là se dirigeait vers nous, et là, le livre nous a dit « est-ce que vous voulez utiliser un cossin ?» Puis nous autres, on a dit « ben Chris, on a acheté plein des cossins, pourquoi pas ?» Fait qu'on a voté pour le miroir, étant donné qu'on s'est dit « t'as un œil, whatever ». Fait qu'on a utilisé le miroir, ce qui nous amenait au paragraphe 65, et c'est là que nous en sommes. C'est là qu'on est rendu. Bon ben parfait, c'est parti, je me lance. Là, juste bonne au passage, aventure, il y a eu un follow que j'ai pas vu. Oh. J'ai pas vu c'était qui le follow, mais merci beaucoup du follow. Bienvenue à toi, j'espère que t'auras du plaisir. Bonne joute tout le monde, c'est parti. Ouais, bonne aventure tout le monde, c'est parti. Donc, le reflet de son propre regard n'a aucun effet sur l'œil porc-épic qui s'apprête à vous attaquer.
vous laissez tomber le miroir et vous l'entendez se briser sur le sol, donc il faut barrer le miroir, tandis que vous vous hâtez de tirer votre épée du fourreau. Déduisez un point de chance et retournez, rendez-vous au 236. Donc, ça commence très bien, mes amis. Oui, c'est ça, ça va normalement. il faut donc enlever le miroir et s'enlever un point de chance. J'enlève le point de chance et dans la case équipement, flûte en os, non. Lumière, masque en ébène, clé de cristal, miroir d'argent. On n'a plus le miroir d'argent. C'est terminé cette époque. Voilà. Et on est moins chanceux, ce qui nous ramène au paragraphe 236. Pendant ce temps-là, je vais changer de tune. C'est moins impressionnant que la situation dans laquelle on est. Oh là là. Allons-y. Alors, tout en tâchant éperdument d'éviter le regard fixe de l'œil porc-épic, vous lancez des coups d'épée à l'aveuglette. Oh non. Parce que toi, tu brasses assez mal, là. En tout cas, tentez votre chance. Si vous êtes chanceux, rendez-vous au 182-2. Si vous êtes malchanceux, rendez-vous au 299. Alright, c'est parti pour le festival du dé. Check bien ça. Comme à l'habitude, la façon que ça fonctionne pour les jets de chance, tenter votre chance, c'est que je vire 2 dés si le total est inférieur ou égal à mon total de chance qui est maintenant 9. Eh bien, le colonel McCormick sera chanceux, ce qui nous permettra d'avancer de façon favorable. Sinon, on va être malchanceux et puis là, on va s'en aller au 299. Donc, il faut que je roule 9 et moins. Qu'est-ce qui va se passer? Non, j'ai roulé 10. Ah! Nous sommes malchanceux. Alors, nous sommes malchanceux. Rendez-vous au 299. C'est là que je m'en vais tranquillement. 299. Ouais, 299, je suis rendu. C'est rare qu'on n'ait pas chanceux, quand même. L'œil porc-épic survole l'épée que vous brandissez et vous palait le visage de ses piquants mortels. Subitement, tous vos muscles se crispent lorsque son poison pétrifiant se met à couler dans vos veines. Plus tard dans la journée, les gardes serpents viendront vous chercher et vous irez rejoindre les autres gargouilles sur les remparts de la ville. C'est ici que s'achève votre aventure. Calvaus. Fuck! Ça commence très bien, encore une fois. C'est fantastique. On est déjà à une mort de plus, t'as peu. Là, je vais retourner à mon stream avec invité. Bon, c'est un autre... je vais y aller encore une fois avec l'habitude. Le colonel McCormick est maintenant de ce deux. Malheureusement, c'est dull. Pourtant, on aurait pu croire que le miroir, ça aurait pu avoir effet. Ça aurait été cool, mais pourtant... Bon, la vagarie. Écoute, nombre de morts. Ian Livingstone en a décidé ainsi. Ian Livingstone est un troll. Les maudits coups de dés, effectivement. Mais c'est vraiment rare qu'on ait malchanceux, sérieusement. On a quand même tout le temps eu... encore là, si on n'avait pas brisé notre miroir, on aurait eu un point de chance supplémentaire, puis on aurait été chanceux. Tu vois à quel point tout est là-dedans, hein? Tout est dans tout. Ouais, ouais. Il y a un comté, c'est ça qui dit voyons donc, c'est sans merci ce livre. C'est effectivement un livre assez brutal, hein. C'est. En tout cas, je sais pas, peut-être qu'on joue juste mal aussi, mais non, il me semble que c'est rough. C'est un livre brutal, mais un peu moins que celui dans l'espace. Celui dans l'espace, quand tu prenais une décision qui était comme pas la bonne réponse, le livre te le disait. C'était pas la bonne... Genre, c'était marqué. Si tu parlais à un personnage, le personnage disait « T'aurais pas dû dire ça. » Puis là, ça continuait. Ah ouais. C'était vraiment... Il te tontait tout le long. Donc, rendu là, ben là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on retente notre chance et on dit qu'on est chanceux ou est-ce qu'on prend un autre objet? Parce que là, tout découle de cet objet-là. Hein. On se rappelle. Ça, toi, c'est les deux options que tu proposes. Ça serait donc... Sinon, ça serait de...
de retourner à tenter notre chance puis de faire comme si on était chanceux, ou tu veux lancer des dés ou... Moi, je vais poser la question. Un autre objet où tente la chance puis on est chanceux. Parce que s'il faut que je roule à toutes les fois, moi je dirais, ben finalement on est chanceux. Fait que là, c'est les deux choix qui s'offrent à nous. Je vais arrêter la musique pour starter. Attends, parce que là, il y a Punk Pumpkin qui dit autre objet parce que je trosse pas les dés, mais tu veux pas relancer les dés, c'est ça que tu dis là? Non, je lancerai pas les dés de toute façon. C'est soit on est chanceux. Et toi, le on choix continue, que tu proposes, c'est ça. Parfait. Parce que lors de la dernière game, j'avais comme floppé le restant de la barre de vie. Il nous restait un rewind en vrai que j'ai décidé qu'on prenait pas. Fait que bon. Ouais. J'ai décidé que je laissais. Je vais comptabiliser comme un mort pareil, mais si on veut rewinder aux objets, je vais le permettre. Ouais. Il ne reste que 30 secondes. Si vous nous écoutez sur Facebook, je vous invite à vous diriger du côté de Duf fait la lecture sur Twitch. C'est un compte totalement gratuit. Ça prend quelques secondes. Vous inscrivez sur Twitch. Une belle communauté. Toto est là. Douteux est là. Joël est là. Tout le monde est là sur Twitch. C'est fantastique. Elvino Movie aussi, qui est quand même cool. Plusieurs affaires. Ah oui, c'est vrai. J'ai une autre parenthèse que je vais dire. Une fois que le décompte sera terminé, il ne reste que 2 secondes. Vous pouvez écrire vos votes dans le chat. Il y a le prou qui est là présentement. Salut le prou, comment ça va? Ça fait longtemps qu'on s'est vu. La minute est terminée. Et les gens ont voté pour un autre objet. C'est donc... Il y avait que pour retourner. Les objets, c'était 387. Ok, ouais, c'est vrai. C'est comme un long paragraphe, là. Ok. Alors, c'est encore un vote, hein? Oui, c'est vrai. Là, disons qu'on votera pas, on mettra pas le miroir dans le vote, hein, on n'est pas... Bon, voilà. Fait que ça serait une perle, un œuf d'onyx, ou aucun de ces objets, c'est le choix aussi. Oh. Fait que, bon... Nous, on a... il y a Plictorus qui a un bon point... qui a un bon point d'œuf. Fait que tu remets le miroir dans les items et tu nous redonnes un point de chance. Ah ben oui, absolument. Parce que c'est avant que ça arrive. Ouais. C'est un bon point, Ben, merci beaucoup. T'as qu'à reculer dans le temps. Ben oui, t'sais, t'as aussi bien de prendre tous les avantages du paradoxe. donc, un œuf d'onyx ou à main nue, I guess. En fait, c'est une perle, un œuf d'onyx et aucun de ces objets. Mais on n'a pas la perle, déjà, d'avance. Pas la perle? Non, on a pas cet objet. Je vais retourner juste dans la feuille de perso pour m'en assurer. Est-ce qu'on avait tout acheté, non? On avait tout acheté, mais peut-être que c'était un objet qu'il n'y avait pas. Fait que là, on avait l'armure de cuir, miroir... On avait un autre miroir? Non, je pense qu'il avait écrit miroir 2 fois. Ça se peut. C'est œuf d'onyx, carabée en ivoire, bracelet de sirène, la clé en cristal, masque d'ébène. Attends, ça, on n'a pas. Flûte en os, dent, le dent du verre de sable. Ok. Bon. Ben, le miroir. Ouais, ok. Bon, ben, donc ça règle la question. Alors, c'est un œuf d'onyx ou aucun de ces objets. Alright. Oh, okay, Pumpkin dit qu'on avait 2 miroirs. Je me souviens pas de ça, mais ça se peut. Ok. Qu'on aurait pris un deuxième miroir. Ça, c'est une information que j'ai complètement oubliée. Ben, au pire, je vois juste le... C'est peut-être arrivé la première fois du sortilège. miroir en argent. Là, il y a un autre follow, je sais pas c'est qui, parce que je suis dans mes affaires et je suis en train de gosser. Trent, bienvenue à toi, Trent. Merci beaucoup de ta présence. Oh, il y a mon automode qui a barré un mot qui avait pas rapport. Ben voilà, c'est réglé. On a re le miroir, ok. Fait que là, ça c'est... On a le choix maintenant d'utiliser l'œuf d'onyx à l'œil porc-épic ou de tout simplement l'attaquer à main nue. Peut-être que ça va nous donner un autre paragraphe, ne sait-on jamais. Donc je vais arrêter la musique. Je commence le poll et vous avez 1 minute pour voter. Autobot, auto mode est pas mal méchant.
Si DOD était là, ça aurait paru. Et là, il y a False Québec qui m'envoie un 90 bits out of nowhere. Calvos, man, merci, c'est long ben fin. Spammez-moi des Ivo dans le chat, I guess. Merci, man. Je vais t'en mettre une coupe moi-même. Merci beaucoup, False. Oui, donc, parlant de False, parce qu'il est tout le temps du côté de douteux, d'habitude, le lundi soir, c'est des soirs de 70%, mais pour une raison X, pour une raison hors de leur contrôle, douteux ne streamera pas ce soir. Donc, de ce fait, j'ai aucune place pour aller raider après le stream. On va aller... Il y a deux options, Duff, il va y avoir deux options. Soit Elvino, parce qu'Elvino, il va être là, je crois. Et sinon... Mais j'ai pas encore décidé à 100%, mais ça se peut que je Twitch après si ça vous tente. Fait que peut-être moins. Oh! Ben, garde-nous informés, coudonc. Sinon, ben, ça sera Elvino ou peut-être Joël s'il décide d'utiliser son nouveau micro. Ouais, c'est un autre. Elvino, la semaine dernière, pendant qu'on est sur le sujet, Elvino, la semaine dernière, t'es allé du côté de 70%, mais ouais. Moi, je suis allé du côté de Elvino, puis il était en train, tu sais, ce gars-là, il fait plein d'affaires, son Twitch est vraiment hallucinant, puis il dessine, il fait du dessin live, puis quand je suis arrivé, il était en train de me dessiner, moi. Toi? C'est vraiment weird. Je suis arrivé là-dessus, puis il était en train de me dessiner. C'est donc bien cool. Ben en plus, c'est lui qui a fait ton emote de Michel de ouais, Michel Forger. Est-ce que tu pourrais baisser mon micro de ton bord? Ouais, j'ai vu le commentaire de Kidosh, je l'ai baissé un peu. Effectivement, que tu piquais assez intense. Là, je suis sûr que j'essaie d'ajuster mes affaires. Moi aussi, je pique de temps en temps quand je me watch pas. Bon, fait que les gens sont allés avec l'œuf. Hein, Absolument. Avec l'œuf d'Onyx. donc voilà, ça nous fait donc aller au 361. 361. Alors, dès que vous exhibez l'œuf d'Onyx, l'œil porc-épic s'immobilise et ferme les paupières. Vous en profitez. Vous en profitez pour vous éloigner de l'œil porc-épic à toutes jambes. En brandissant l'œuf d'Onyx pour vous protéger, rendez-vous au 340. C'est drôle, j'ai l'image de Colonel McCormick qui court comme un cartoon avec l'œuf, mais vraiment comme dans les airs, comme... Super cute. On s'en va au 340, alors. Œuf. Voilà. Œuf d'Onyx. Cool. Alors... En courant le long du corridor, vous arrivez à la hauteur d'une grille de fer haut placée dans le mur de droite. Si vous voulez la forcer à l'aide de votre épée, rendez-vous au 295. Si vous préférez poursuivre votre chemin, rendez-vous au 157. Donc, est-ce qu'on défonce la grille de fer à coup d'épée ou on poursuit notre chemin? On défonce la grille ou... On get the fuck out vers le sud, I guess. La dernière fois, toutes les options menaient vers le sud, fait que j'imagine que cette option-là va nous amener vers le sud également. Donc, choix numéro 1, on défonce la grille. Choix numéro 2, on décollise vers le sud. J'ai-tu manqué de quoi? Quand t'as trop de sortilèges, tu piques. Ok. Ah ouais, je pique parce que je parle trop fort, parce que je suis chaud. Parlez-en. Y'a Kidosh qui me demande de te muter. Ouais, je sais, pas très gentil. On habite ensemble, puis des fois, elle est tannée de m'entendre parler, donc elle veut muter, puis elle peut pas. Fait que là, elle veut que tu me mutes, mais ça arrivera pas. Ça arrivera pas, parce que j'ai bien trop de fun à t'entendre parler. Donc, je coupe la musique, je starte le poll, et c'est parti. Vous avez maintenant une minute pour voter. Allons-y. Encore une fois, oh, il y a Elvino, Calvas. Hey, merci Elvino. Parlant du loup. Justement, on comptait peut-être te raider après le stream, ça va dépendre de bien des facteurs, mais content que tu sois là, man. Je t'ai vu en stream de quelque chose. Il doit pas streamer s'il est là. Ben, c'est une bonne question. Peut-être qu'il a pris un en tout cas, on verra. Pour
Peut-être qu'il a pris une pause de semaine. Effectivement, on verra à la fin qu'est-ce qu'il y en est. Mais de toute façon, si t'es là, Elvino, François Lompré qui nous écoute. Bienvenue, François Lompré. Je lis un livre dont vous êtes le héros. C'est le chat qui décide. Donc, dans le chat, vous pouvez écrire un ou deux, dépendamment de la décision que vous voulez qu'on prenne. Mais pour l'instant, ça s'enligne pour être un solide 63% pour défoncer la grille à coups d'épée. Est-ce que ça va en rester là? J'ai jamais assumé mes choix à ce jeu. Gars, c'est exactement la même chose. Pour ça que je propose aux gens d'assumer les choix à ma place. C'est ça qui est merveilleux quand tu bâtis une communauté. C'est qu'à un moment donné, c'est plus toi qui décide. Puis là, c'est ça. C'est bien, ça. C'est très bien. On a du fun en gang. Alors... De toute façon, gars, à la fin de la journée, on va finir le livre. Puis il y a un organisme quelconque qui va ramasser une coupe de scène. En plus... Donc, les 295 gens ont voté pour donc, défoncer la grille. C'est 295, tu te dis? 295, mais me semble. Je vais vérifier, ouais, c'est ça. Ouais, ouais. 295. C'est parti. Comme vous tendez la main pour arracher la grille du mur, vous remarquez quelque chose d'anormal. Ouais, c'est ça, un autre affaire. L'un des deux barreaux verticaux a été marqué à la craie blanche jusqu'à sa jointure avec un barreau horizontal, également marqué de pied de blanc, ce qui dessine clairement la lettre L au milieu de la grille. Le messager fatal vous a une fois de plus précédé. Vous perdez 4 points d'endurance. Ouais. Vous perdez 4 points d'endurance et 1 point d'habileté. Ben voyons donc, sacrement, man. Ben, je te jure. Ben, je te crois, je le vois, il est marqué direct là, mais c'est rough, là. Moi, je pensais que tu faisais juste lire les lettres, puis whatever. Non, ça fait mal, là. Alors, vous passez la main dans le renforcement derrière la grille et vous découvrez que ce n'est qu'une espèce de bouche d'aération. Maudissant votre malchance, vous poursuivez votre chemin. Rendez-vous au 157. Calvos. Bon. Alors là, on a un bon exemple tangible de ce que François Lompré voulait dire. C'est ça. Moi aussi, quand j'étais petit, j'assumais pas mes décisions là-dedans parce que ça fait des affaires de même. Bon, voilà. Absolument. Alors, 157. C'est... Une fois de plus, c'est notre première lettre. Oui, c'est ben ouais. J'imagine qu'on en a donné une coupe, ce qui est une bonne chose. Ouais, c'est ça. 157. Le corridor aboutit bientôt à une bifurcation. Si vous voulez prendre à gauche, rendez-vous au 175. Si vous préférez tourner à droite, rendez-vous au 353. Ça, c'est un choix assez de base, quand même. Oui, un choix standard qu'on a vu rarement dans ce livre. D'habitude, c'est au moins une vingtaine de fois facile. Là, hey, je vais répondre. Je vais répondre à une question dans le chat. Il y a Trent Faucon qui nous demande si on fait ça souvent. C'est à tous les lundis, hein, Duff? À tous les lundis 20h. Donc, voilà. Effectivement, tous les lundis 20h, quand ça marche. D'ailleurs... Je vais en profiter pour dire que la semaine du 27, c'est peu que je check mon agenda, la semaine du 27, je ne pourrai pas streamer parce que je serai à l'extérieur et je serai à Sacré-Cœur, qui est à la frontière à l'est de la Côte-Nord. Et connaissant ce coin-là, pour y avoir été souvent, je sais que l'Internet est payable. Peut-être que je vais être bon pour streamer, peut-être pas, mais je vais prendre d'avance pour dire que je streamerai pas. Ouais, ouais. Fait que rendu bon, là, ben voilà. Que voulez-vous? Mais oui, j'ai eu bien du fun, là, c'est l'épisode 16. C'est l'épisode quoi, 3 avec Toto? J'ai bien gros, c'est le troisième, je crois, ouais, avec ce livre-là, là, de Temple de la Terreur. C'est vraiment plaisant. J'étais-tu en train de faire de quoi? Ah oui, c'est ça, gauche. Ben, il faut que tu settes le vote. C'est ça qu'il fallait que je fasse. Le vote. Où c'est qu'on va? Point d'interrogation. On va à droite, choix numéro 1, ou vers le sud, choix numéro 2, parce que la gauche, c'est le nouveau sud, on s'en souviendra. Au dernier épisode, c'est ça qu'on avait convenu. Ouais, c'est vrai. Là, j'écrirai même pas entre parenthèses gauche, là, vous allez comprendre. Rendu là, choix numéro 1, droite, choix numéro 2, sud. J'arrête la musique, je starte le pôle. Vous avez une minute pour voter, c'est parti. À l'ouest? C'est quoi ça, l'ouest, Dan?
Personne ne sait c'est quoi le Nest. Encore une fois, si vous êtes sur Facebook, parce que ça peut arriver, faites-vous un compte Twitch, c'est totalement gratuit. Venez nous rejoindre sur Twitch et écrivez votre choix dans les commentaires, ce qui fait en sorte que le programme pourra vous comptabiliser. Et vous aurez le droit. Ouais, c'est parce qu'ils sont sur Facebook, ils peuvent t'écouter, mais ils peuvent pas voter, c'est ça? Ben, ils peuvent. Ben, ils vont voter, mais ça sera mais pas peuvent... comptabilisé par ouais. Le conseil. Hein. Ils vont pas voter, ils vont commenter un ou deux, puis ça fera rien. Ouais, ça. Puis là, jusqu'à la fin du stream, il va y avoir un 1 et 2 qui va se répéter dans le chat box en haut. Parce que c'est plus, vas-y. Il faudrait pas que je stream sur Facebook en vrai. Facebook, c'est de la grosse merde. Les réseaux sociaux, man. Il ne reste que 5 secondes pour vous prévaloir de votre droit de vote. Pour l'instant, ouais, 75% vers le sud. Malheureusement, Pascal, il n'y a pas y a pas l'option de ne pas bouger. Donc, c'est triste, mais c'est ça. Ouais, il y a une troisième option, c'est arrêter le stream direct là puis dire qu'on a gagné. Oui, c'est ça. Personne fait que je pense qu'on va tourner vers le sud-gauche, hein? Effectivement, on s'en va vers la gauche, ce qui nous amène au paragraphe... 175. C'est pas très loin. Ah, quand j'étais très petit aussi, mettons, entre 8 et 12 ans, puis que je jouais à ces livres-là, souvent je prenais, c'est niaiseux, hein, mais souvent je prenais le choix qui m'amenait au paragraphe le moins loin. Ah, c'est bien, c'est une tactique. C'est con, mais j'étais comme, ok, mettons, là, on était quoi, au 157? Et tu sais, 175, c'est pas loin, mais en même temps, c'est une fois que tu tournes des pages, tu peux bien te rendre, si tu veux, en tout cas. Mais c'est une des façons de voter quand j'étais petit. Alors, 175. Vous suivez le corridor qui, au bout d'un moment, tourne brusquement à droite. Vous en franchissez le coin et vous vous trouvez nez à nez à nez avec une créature reptilienne de haute taille, armée d'un cimetière et portant une armure. Cet homme lézard semble préposé à la garde de sac qui sont empilés contre le mur. Si vous savez invoquer le sortilège du sommeil de la créature, et si vous souhaitez le faire, rendez-vous au 232. Si vous préférez combattre la créature, rendez-vous au 7. On l'a-tu, ce sortilège-là? Oui, on l'a. C'est un des deux. C'est le deuxième, en fait, qu'on a pris. C'était une chance inouïe. Au passage, l'homme lézard, c'est exactement celui qui figure sur le devant du livre. Et puis là que je suis rendu en HD, je peux montrer moi aussi cette affaire-là. Ben oui. Je vais te mettre en plus gros. Hein? On a les mêmes. Parce qu'avant, voilà. Ça servait à rien de faire ça. Mais là, on peut le voir. Ah! Ouais, le mien, il m'a gagné. Il y a même un livret qui s'en va, puis en tout cas. Le mien, il m'aime pas à moi. Fait que... bon, quand c'est même. T'as grompé. Donc, qu'est-ce qui se passe? Soit on fait sortilège, sort de sommeil. Ouais, sortilège ou combat? C'est sort de sommeil ou sort ton épée, mon chum. Choix numéro 1, on fait le sortilège du sommeil. Choix numéro 2, on sort notre épée. J'arrête la musique, je starte le pôle. Vous avez une minute, c'est parti. Noisecake qui nous rappelle les débâcles du spell de création d'eau. Dans le chat, c'est merveilleux. Non, pas de combat. Bon, là encore, là, ça parle de mon virage de dés. Déjà là, le pessimisme. Hey. Ben non, ben Duff, c'est un running gag, c'est un inside. Qu'est-ce que tu veux? À un moment donné aussi, il faut dire les choses. T'es très sympathique, ton concept est écœurant. J'aime ça être avec toi, mais tu brasses mal. Qu'est-ce que je te dis? Il faut dire les choses. J'ai pas de talent. Faut bien que j'aille pas de talent quelque part. J'ai déjà pas de talent dans le restant de ma vie. Mais les dés, c'est la facette la plus pire de mon existence. Des choses qui arrivent. Ce qui en fait, somme toute, une existence très le fun à vivre, en fait. Quand même. Parce que c'est vraiment pas... Hein? Si c'est ça la pire affaire de ton existence, rouler des dés, c'est vraiment pas si pire. Kida, je lui dis qu'elle veut pas m'amener au casino, mais l'affaire, c'est que je vire haut. Fait qu'au casino, c'est bon, mais pas dans un livre dont vous êtes le héros. Ah. Ben, je dis ça, oui, même, mon Dieu, Kida.
qui dosh qui aime pas mon green screen. Je sais, il y a des plis dans mon green screen. Qu'est-ce que je te dis? Hein? Bon, ouais, c'est la vie. C'est de ma faute, là. Je pourrais tweaker un petit peu le costume. Ben non. Gosse pas avec ça, là. Mais non, gosse pas avec ça, là. Ok, bon. Je pense que c'est pour une victoire écrasante du sort de sommeil. Effectivement, je crois. C'est un 83% pour le sort de sommeil. Là, je vais terminer le point. On le voit déjà plus. Il y a Pascal aussi. bon, qui touche, hein, on sait. Il y a Pascal qui te propose que si on meurt encore, Duff, on te propose de faire un 5 minutes de ASMR. Je sais pas si. Je mets mon proté, ça me tente pas vraiment de faire du ASMR. Mais remarque, ça serait quelque chose de drôle à essayer. Je jouais peut-être avec la possibilité de faire un autre style de lecture, que c'est juste lire un roman avec comme une fausse cheminée, un faux feu de bois à côté en green screen sur un siège LED. Tu sais, un décor de moi comme dans une librairie avec un feu. Là. De quoi niaiser de même. Mais là, à ce moment-là, j'aurais pas d'interaction avec le public. C'est pas mal plus d'autres. Non, c'est ça. C'est un peu moins le fun, ouais. Alors, 232. 232, je vais changer de page pour mes notes. 232. Sans sommeil. Vous prononcez la formule du sortilège et, avec amusement, vous voyez l'homme lézard tomber brusquement à terre, pris dans son sommeil profond. Réduisez de 1 point votre total d'endurance, puisque vous avez invoqué le sortilège, donc 1 point de moins. Et rendez-vous au 33. 33. Ça se prend bien, ce qui porte notre total à 12. Pas si pire. C'est pas si pire. Il y a Ben qui veut un roman semi-porno lu par moi, il n'y en est pas question. Alors, je peux 33. Faire lire des niaiseries. Vous ouvrez les sacs, oui, parce qu'il gardait des sacs, l'homme lézard, il faut s'en souvenir. Ah ben oui. Vous ouvrez les sacs, mais ils ne contiennent que des épices et des graines de céréales. Une fouille rapide des vêtements de l'homme lézard vous procure une grosse clé de fer que vous glissez dans votre poche. Donc, rajoute ça, grosse clé de fer. All right. Vous reprenez votre route. Vous reprenez votre route et vous arrivez à un nouvel embranchement. Bon, alors voilà, c'est le sempiternel vote. Si vous voulez tourner à gauche, rendez-vous au 125. Si vous préférez prendre à droite, rendez-vous au 262. Donc, on a maintenant une grosse clé de fer. Qu'est-ce qu'on fait en interrogation? Droite ou au sud? Choix numéro 1, on va à droite. Choix numéro 2, on va au sud, c'est-à-dire la gauche. J'arrête la musique. Je starte le pôle et vous avez une minute. C'est parti. Non, Pascal, on ne peut pas le tuer parce que c'est pas Donjons et Dragons. C'est une des multiples lacunes des livres. Les livres sont très streamlined. C'est un suit la traque, puis c'est pas mal ça. Ouais, mais c'est parce que, écoute, c'est des livres déjà de quoi, peut-être 300 pages. Si on met 100% des options possibles, chaque livre va être 10 tomes de 1000 pages. Là, mais c'est assez intense. J'ai vu des livres sur eBay parce que j'essaye tout le temps d'en acheter des nouveaux. Là. Puis il y en a qui sont comme 3 fois cette épaisseur-là pour vrai. Là. C'est rough. La série Sherlock a beaucoup de pages. Parce que oui, les Sherlock étaient. Ouais, c'était complexe, les Sherlock. Moi, je me souviens, je n'avais fait quelques-uns, mais j'avais débarqué à un moment donné parce que c'était trop complexe, je trouvais. C'était super bien fait, mais c'était complexe. J'en ai jamais fait, mais juste à le lire, tu sais, moi, j'adore Sherlock Holmes, c'est quelque chose de cool. Puis, tu sais, faire des déductions, puis essayer des patentes, ça avait de l'air cool dans le livre, mais c'est sûr que ça fait un livre qui est très complexe à mettre en pratique. As-tu déjà fait des... Pendant qu'on jase de ça, t'as-tu déjà fait des loups-garous? Tu sais, il y a des filles fantastiques, il y a des Sherlock, il y en a plein d'autres, mais il y a des loups-garous. Loups-garous, c'est un peu plus sur le côté horreur, hein, je dirais. Mais il y en avait des intéressants là-dedans aussi à faire. C'est la même collection, là. La même collection, là. C'est juste, au lieu d'être des filles fantastiques, c'est des loups-garous. Bon, fait que là... C'est super le fun à savoir, ça, je savais pas. Le monde veut...
Allez Là, à on s'en va au gauche. sud à 60%. Il y a Ben qui me dit d'acheter le livre de Bob Lennon. J'ai le lien quand il va sortir, ou je ne sais pas s'il l'a déjà sorti, mais quand ce sera le temps, probablement que je vais l'essayer. Je pense que c'est dans l'univers d'aventure qu'il a fait avec JDG en plus. Ça pourrait être cool. Alors, si vous voulez Oui. tourner à gauche ou au sud, apparemment, rendez-vous au 125. C'est parti pour le 125. Le corridor aboutit bientôt à un cul-de-sac, mais le sommet d'une échelle posée contre le mur disparaît dans un trou creusé dans le plafond. Attends, le corridor aboutit, mais le sommet d'une échelle posée contre le mur disparaît dans un trou creusé dans le plafond. Si vous décidez de grimper à l'échelle, rendez-vous au 329. Si vous préférez revenir sur vos pas dans le corridor et poursuivre tout droit après avoir dépassé la bifurcation, rendez-vous au 262. Oh, la musique. Donc, choix numéro 1, soit on monte l'échelle. Choix numéro 2, soit on revient back et Oui, avant que on ça bifurque, puis continue. là, on prend tout droit au lieu de prendre à gauche. Donc, choix numéro 1, on monte l'échelle. Choix numéro 2, on revient back. J'arrête la musique. Start le pôle. Vous avez 1 minute. Oh shit, il va y avoir une lettre en haut de Pumpkin. C'est pas fou. François Lompré, qui est un fabuleux guerrier, que lui, il a pas peur. Let's go, on y va en haut. Il a peur de rien. François Lompré, il a peur de rien. C'est nice, ça. C'est un gars de même. Il va. Il y a Noise Cake Factory qui demande s'il y a des livres de Star Wars. Oui, il y a des livres officiels Star Wars. Chose que j'avais pas le 4 mars. Le 4 mai, c'est-à-dire. Mais oui, il y a des livres officiels qui se vendent sur le marché. C'est pas fait par Gallimard, mais c'est dans la même troupe, là. Ouais, là, le Globalement. même, ouais. Il y a Ben qui dit que ça pue le monstre. Et là, les gens se mettent à voter. Non, c'est pas ça qu'il dit. Il dit ça pue de monter. Il Ah, veut ça pas pue le monter. Il monstre. trouve que ça pue. Ben, ça pourrait puer le monstre, effectivement. Je sais pas c'est quoi l'odeur de ça. Mais pour l'instant, c'est un gros 91% qui va avec l'échelle. Il ne reste que 4 secondes. C'est le moment de faire un vote in extremis pour tenter de virer la balance, ce qui n'arrivera pas. Donc, nous allons monter l'échelle. Donc, on se rend au 329. 29. On va avoir plein de choix encore. Vous passez la tête par l'ouverture qui s'ouvre dans le plafond et vous voyez une petite pièce encombrée, éclairée par une unique bougie, posée sur une table. Accroupi dans un coin de la pièce se trouve, attends, accroupi dans un coin de la pièce se trouve un petit homme vigoureux, vêtu de toile à sac en lambeaux. En vous apercevant, il arrache une perche de bois piquée dans le sol. Qu'allez-vous faire? Est-ce que vous allez lui parler, l'attaquer, descendre de l'échelle et revenir sur vos pas? Et là, on voit, n'est-ce pas? Non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui, J'y ai c'est pensé, un autre. mais c'est pas lui. Ok, c'est pas lui. Okay. Fait que 329, donc est-ce qu'on lui parle, est-ce qu'on l'attaque ou est-ce qu'on descend? Comme si de rien n'était. On la calisse. Ouais, genre, tu montes, tu fais, oups, non, pas lui, non. Oh, excusez. Ah bon. Alors, lui parler, l'attaquer ou redescendre et retourner sur nos pas. On l'attaque. Ou, whoops. Excusez, je décalisse. Choix numéro 1, on lui parle. Choix numéro 2, on l'attaque. Choix numéro 3, whoops, excusez, je décalisse. J'arrête la musique et je starte le pôle. Vous avez 1 minute. Il y a Pilitorus qui dit run, fuck off. Il y a. Qui disait. Il y a quelqu'un qui a dit fuck, je décalisse. François, il pense au François Lompré qui dit qu'il pense au loot. On attaque pour le loot. Ça peut être Effectivement. intéressant. Habituellement, le chat est pro-loot. Ouais. C'est un chat assez pro loot, effectivement. Là, j'ai tué. C'est les maudits jeux vidéo qui font ça. Les jeux vidéo qui nous rendent violents. Ouais.
qui nous habitue à voler les corps qu'on laisse avant de continuer à marcher. Ça arrive tout le temps, c'est dans la vie de tous les jours, tu payes tout le temps les coffres. Ah oui, moi tout le temps, à la minute que j'ai besoin de 10-15$, j'attends d'une ruelle, puis là, je tue, puis je loupe. Avec un couteau. Ouais, je fais ça tout le temps. Nice. La clé, c'est de pas toujours être dans la même ruelle. Ah ouais, ok. Si t'as un modus operandi, le monde te reconnaisse. Ouais, non, ça, c'est trop facile. Alors, on lui parle donc. On se rend au 83. 83. On y parle. Oh! Une longue histoire. Ok. Je vais me mouiller le gosier, puis je vais lire ça. Pipi-pipi. Pipi-pipi, 83. Alors. 83. Le gnome, parce que là c'est un gnome finalement. Le gnome vous est reconnaissant de ne pas l'avoir attaqué. Il vous révèle que c'est par hasard qu'il a découvert Vatos il y a bien des années et qu'il a décidé d'y rester. Ce n'est plus à présent qu'un chiffonnier, mais il se prétend très heureux de son sort. Vatos est resté longtemps abandonné, mais peu à peu des hommes et d'autres créatures qui cherchaient un refuge y sont parvenus. Et quelques-uns s'y sont établis. Il n'y a pas de loi dans cette cité, ni de chef d'ailleurs. Les plus forts imposent leur volonté. On attaque les caravanes de passage pour se procurer de la nourriture, et ces razzias sont organisées par une grande prêtresse, aidée de ses esclaves. Vous lui demandez s'il a entendu parler de Malbordus. Mais il secoue la tête et vous répond. Tu veux-tu faire le personnage? Absolument. Alors, il vous répond... Je ne m'intéresse guère aux gens. Je passe mon temps à ramasser ce dont personne ne veut. Voilà tout. Mais peut-être avez-vous quelque chose à vendre? Je donnerais beaucoup pour obtenir l'un de ces objets au travers desquels on regarde pour que les choses vous paraissent plus proches qu'elles ne le sont en réalité. OK. Alors, si vous avez un télescope... Oh, et là, la parenthèse. J'aime beaucoup la parenthèse. Parce que ça dit, si vous avez un télescope, parenthèse, car cette description ne peut correspondre qu'à cela. Quand même. Donc, si vous avez un télescope à vendre, rendez-vous au 138. Si vous ne possédez pas ce dont le gnome a envie, rendez-vous au 321. Est-ce qu'on a... J'ai peur de devoir dire qu'on n'a pas de télescope. En revanche, on a deux miroirs, mais non. On a de la cire, on a un œuf, on a un scarabée, un bracelet... Hein? Bon, mais voilà, alors si vous ne possédez pas ce dont le gnome a envie, rendez-vous au 321. C'est dommage, là, je suis vraiment intrigué à savoir qu'est-ce qu'il nous aurait dit. Ouais, hein, mais bon, ouais. 321. Vous dites au gnome que vous ne possédez pas de télescope. Déçu par votre réponse, il se frotte le menton et dit... T'as peu, j'y vais. 321. Ok, t'as recommencé pour que tu sois celui qui... Ok, m'a recommencé. Vous dites au gnome, que vous ne possédez pas de télescope. Déçu par votre réponse, il se frotte le menton et dit... Ma foi, voyez-vous, j'ai vraiment du goût pour le cuivre. Alors, si vous avez n'importe quel objet en cuivre, je vous donnerai volontiers un brassard magique qui procurera de la force à votre bras droit pendant les combats. Ouf. Si vous possédez une clochette de cuivre et si vous souhaitez l'échanger, rendez-vous au 69. Sinon, vous ne pouvez faire aucun troc avec le gnome. Vous devez donc redescendre de l'échelle et revenir sur vos pas dans le corridor jusqu'à la bifurcation que vous dépassez. Rendez-vous au 262. On a tout ça? Non, on a fuck all de rien en cuivre. Ça regarde mal. Ça, okay. Ça veut dire que plus tôt dans l'histoire, on a fait des mauvais choix parce qu'on aurait dû avoir ces objets, j'imagine. Ouais. Peut-être que c'était optionnel puis qu'on n'a pas vraiment de besoin. Je vois. Alors, rendez-vous au 262, donc. 262. C'est vraiment... 262. Oh là là. Le corridor... finit par déboucher sur une pièce crasseuse dans laquelle deux hommes rats s'occupent activement à dévorer le cadavre d'un farfadet. Ah, je pense pas un farfadet.
Je pense que c'est une de mes phrases préférées de tous les temps. Dévorer un farfadet? un grand morceau de littérature ici. Le corridor finit par déboucher sur une pièce crasseuse dans laquelle deux hommes rats s'occupent activement à dévorer le cadavre d'un farfadet. En vous voyant, ils se lèvent d'un bond et se jettent sur vous, épée à la main. Donc voilà, combat contre deux hommes rats. Un premier à... Les deux à 5 d'habileté. Le premier à 4 d'endurance et le deuxième à 5 d'endurance. Ok. Voilà. Je vais aller préparer la situation de combat. Donc, le premier... Moi, j'aime beaucoup que les gens sur le chat... J'aime beaucoup que les gens sur le chat, sauf François Lompré qui est relativement nouveau, mais ceux qui connaissent un peu tes talents en combat. Et quand on arrive dans une situation de combat, avant même que tu tires les dés, il y a des gens sur le chat qui veulent qu'on rewind et qu'on reprenne une autre décision. Et ça, j'adore ça. Parce que les gens me trossent pas. Et je te dis, la confiance, mesdames et messieurs. 5-4, 5-5. En même temps, tu sais, moi j'ai un réflexe de gambler, mais je me dis, t'es dû. T'sais, à un moment donné, t'es dû pour bien rouler. À un moment donné. Quand tu perds toute la veillée, voilà. Tu dis, elle va payer. Elle va payer, je suis dû, là. Je suis dû. C'est sûr, ça fait quoi, 29 minutes? 29 minutes, c'est 3 fois mon chiffre chanceux, elle va payer. C'est sûr. Ouais, c'est ça. Oh ouais. Ça, on les a toutes vues, hein, les gens qui jouent aux machines, vont 35 fois au guichet automatique à côté du bar. Combat, mesdames et messieurs. Combat, mesdames et messieurs. Je rappelle la procédure de combat, c'est que je vire 2 dés, 2 pour la créature, 2 pour le colonel McCormick. Le total de chacun de ces jets de dés sera additionné à notre total d'habileté respective. Présentement, le colonel a 8. L'ennemi a 5, ce qui fait en sorte que nous avons 3 points d'avance sur le jet de dés. C'est comme ça que je vais le compter, en fin de compte. Ouais, ouais. Donc, allons-y pour la créature, n'est-ce pas? J'ai mon petit, ma petite caméra de jet de dés. C'est toujours la créature en premier. C'est comment ça marche pour les tours, genre? C'est toujours la créature en premier, nous en deuxième. Et puis dans ce cas-là, quand il y a plusieurs créatures, ouais. C'est que... Il faut virer 2 fois pour... une fois pour chaque créature et une fois pour nous. Et si on vire plus haut que 1 ou 2 de ces créatures, ben on est victorieux. Si on a viré plus haut que seulement une des créatures, ben l'autre nous attaque. Sinon, ben on a réussi à l'éviter, mais on la blesse pas elle, on blesse la première créature quand même. Ok, je vois. Je vais vous guider dans les... dans les règles. Ouais, c'est ça. Et là, cette fois-ci, je vais souffler... Ben, pas là, parce que c'est la créature, mais en tout cas, je vais essayer de rendre mon cœur pur afin que les dés marchent pour moi. La première créature vire un 4. La deuxième créature vire un 7. Donc, idéalement, il faudrait que je vire... Quoi, 5? 4. Il faudrait que je vire minimum 4. Oups. Et j'ai viré un 7, ce qui est assez suffisant pour battre les deux créatures. C'est-à-dire que j'évite un des coups du deuxième créature. Et la première créature se mérite un 2 points de démérite, portant son total à 2. La première créature réattaque pour un 9. La deuxième créature réattaque pour un 10. Donc il faut que je vire un 6. Ou un 7. Il faut que je vire un 7 minimum. Et je vire un 9. Nous avons donc évité la créature numéro 2 et pourfendu la créature numéro 1 qui se retrouve décédée. Il ne reste que la deuxième créature qui nous attaque. Cette créature nous assène un 11. Ce qui fait en sorte qu'il faut que je vise un 8 minimum. Et je vire un 11 également, ce qui fait que la deuxième créature... Hein, qui vire mal les dés à soir, hein? Wouhou! Il est à moi le jackpot. Amenez-en du cash. Non, mais je t'avais dit que t'étais dû. J'étais dû, elle va payer. Il y a Jubby One qui s'est abonné niveau 1. Merci Jubby One, ben smart. On spamme les vœux dans le chat pour le combat et pour Jubby One. Ce combat-là est pour toi, man. L'homme rat nous envoie un 5. Faut que je vire un 2 minimum, ce qui est très facilement remportable.
puisque j'ai viré un 10, ce qui porte le total de la créature à 1. Encore une fois, la créature, avec l'énergie du désespoir, nous envoie un 7 et nous répliquons avec un 6. Mais étant donné que notre total d'habileté est bien plus élevé que le sien, nous sommes facilement vainqueurs, ce qui fait en sorte que la créature est dead. Yes! Bon, ça fait du bien, ça! C'est mon soirée. Une petite victoire. Petite victoire de combat, me semble, hein? Ça, on était dû. Ça fait, du bien. Alors, si vous êtes vainqueur, rendez-vous au 218. 218. Et voilà. Alors. Maintenant, si le farfadet, il est mort. Oui, ça fait longtemps qu'il est mort. Je sais pas si tu as vu la photo. Il mangeait, mais tu sais, il avait la face à terre. Peut-être qu'il faisait juste comme oh, aidez-moi, les gars, je vous blesse. Non, non, moi, le je cadavre d'un farfadet, il est mort. Ouais, il est mort. Ben oui, c'est ça. Alors, 218. Dans la poche de l'un des Zomoras, vous découvrez 3 pièces d'or. Donc, rajoute ça, 3 pièces d'or. Et, oh, ça c'est intéressant, et une queue de singe. OK. Queue de singe. Non, mais à chacun ses snacks, I guess. dans le mur d'en face, vous apercevez 2 voûtes d'où partent des corridors. Si vous passez sous... Ah, ça, j'aime ça parce que c'est le même choix que tout le temps, mais avec une mini-twist fausse, finalement. C'est si vous passez sous la voûte gauche, rendez-vous au 315, et si vous passez sous la voûte droite, rendez-vous au 139. Fait, OK, ouais, c'est pas... une affaire de... Il y a une affaire de voûte puis de corridor, mais ça revient au même. C'est gauche ou droite. Ben, coudon. Là, je vais manquer de place dans ma feuille de cossin. Je vais juste me rajouter un truc. Puis au pire, il va manquer un sortilège. Mais moi, je le sais dans mon cœur, c'est quoi les sortilèges. Là, on a la queue. Queue. De singe. Une belle petite queue de singe. Peut-être appartenait-elle à un saïen qui était venu... prendre possession de la terre, mais qui s'est fait couper la queue. Donc, sa forme Ozaru ne fonctionne plus. Référence à Dragon Ball. À la maison, on garde les points. sous la voûte gauche ou sous la voûte droite. C'est ça nos choix. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a Pascal qui dit... j'aime bien ce commentaire-là. Les rats qui mangeaient un farfadet m'ont donné une queue de singe. Mais oui. Seems legit, on dit. c'est clairement... c'est logique, me semble. Je sais pas, pas vous, là, mais moi, ma mère, elle m'a déjà dit de ne pas accepter de queue de singe des Zomoras étrangers. Donc, voilà. Effectivement. Il y a Trent Faucon qui dit « Over 9000 » en pétant son scouter dans ses mains. Vegeta Star, j'ai compris. Voilà. Je vais starter le vote et je vais tenter de finir cette palmée afin de tomber sur quelque chose d'un petit peu plus reluisant. Je vais arrêter la musique. Starter le pôle, vous avez une minute. Choix numéro 1, on passe sous la voûte droite. Choix numéro 2, sous la voûte sud-gauche, en parenthèse. Là-dessus, bon vote et santé. Ah, c'est que c'est rough. Tabarnak, faites pas ça à la maison, je suis un professionnel. Ouais. Calé une palme. Il devait t'en rester à moitié et t'as calé pas mal. On est dévoué à la cause, mesdames et messieurs. Dans les parties, Toto Loving, ça t'es-tu déjà fait arriver de te faire AIC. C'est que ça veut dire, ça? J'avais un ami... Tu fais mettre de la glace dans les culottes, genre? Non, monsieur Alexis Caron, qui, lui, aimait se promener dans les parties avec un six-pack de Smirnoff Ice. Ah oui! Oui, j'ai bu... Ouais, ma première... pas ma première, mais mes quelques premières brosses, parce que moi, ça a pris du temps avant que j'aime la bière, puis que ça soit ça ma boisson de prédilection dans les parties. Avant, j'étais à la Smirnoff Ice, ou même, moi, je suis pas jeune, je sais pas si tu te souviens, ça s'appelait de la boomerang. Oui, la boomerang.
Et ça, aussi la tornade. La tornade, oui, tornade à plusieurs sortes là. Moi, j'aimais bien la tornade limonade, mais ça, écoute. En fait, la première fois que j'ai bu de l'alcool de toute ma vie, si vous voulez tout savoir, j'étais avec des gens beaucoup plus vieux que moi. J'avais pas d'affaires là. Mais. Pardon. on s'est assis à l'entour d'une table à pique-nique dans la cour d'un des gars pour jouer à un jeu qui s'appelle un centurion. Je sais pas si tu sais c'est quoi. Ça me dit vraiment quelque chose, ça, par exemple. C'est, t'as un petit verre à shooter devant toi et t'as une bière. Et, mais moi, je le faisais à la tornade limonade, mais bon, les gens autour de moi avaient de la bière. Et le but, c'est de... en fait, le jeu, c'est un shooter de bière à la minute et on essaie de se rendre à 100. Donc, 100 shooters de bière en 100 minutes, ça équivaut à 11 bières à peu près en une heure et demie. Mais l'affaire, c'est que bon, il y a l'effet brou puis tout ça dans l'estomac. Ce qui fait que c'est non seulement la première fois que j'ai été sous, mais c'est aussi la première fois que j'ai vomi plus que deux fois dans la même journée. Wow, les beaux souvenirs. Mais gars, comment tu peux ne pas être malade avec de la tornade, déjà en partant? Ouais, non, c'est ça. Tu jouais ça en hard mode. Je me souviens d'être arrivé à ce party-là avec ma tornade puis de me faire dire « Qu'est-ce que tu fais? Tu survivras jamais, t'es calme. » Puis moi, j'étais comme, ben, de la bière, j'aime pas ça, c'est pas buvable, donc je vais le faire à la tornade. Mais finalement, ouais, j'aurais peut-être dû acheter de la Budweiser, finalement. C'est quand même quelque chose. Mais pour en revenir à icer ben oui. Le monde, là, mon ami Alexis Caron se promenait avec un six-pack de Smirnoff Ice en plus de sa propre consommation. Lui, il cachait les bouteilles de Smirnoff un peu partout, mettons, genre dans le garde-manger. Puis là, il fait comme, hey man, pogne donc les chips qu'il y a dans le garde-manger. Là, la personne ouvre le garde-manger, voit la bouteille de Smirnoff Ice. Puis là, il fait comme, oh, je t'ai icé, faut que tu cales la bouteille de Smirnoff Ice. Là, il faisait ça comme toute la veillée. Genre, t'es assis sur un divan, puis là, il dit, hey, qu'est-ce qu'il y a dans la craque de divan? Là, tu fouilles, il y a une Smirnoff Ice. Non. Il fait comme, tabarnak. Ça, c'est vraiment traître là, comme activité. Hein? Oui, parce que la Smirnoff Ice, c'est... La pire affaire. En tout cas, oui. Donc, on va tourner... On s'en va vers le sud. On s'en va à gauche, finalement. Donc, on se rend au 315. Non, pas feuille de perso. Ça. Okay. 315, parfait. 315 sud. Vous ne tardez pas à arriver à un embranchement. En regardant à droite, vous constatez que le sol est couvert de verre brisé. De sorte que vous prenez le nouveau corridor corridor à gauche. Il n'y a pas de choix, là. On se fait dire ça. Rendez-vous au 49. Donc, pourquoi j'aurais préféré aller à droite pareil? Il me semble me faire barrer. Parce que, non, il y a de la glace, pas de la glace, mais de la vitre au sol. Donc, non. Je ne sais pas pourquoi, mais non. 49. Beau paragraphe useless. Ok, ça va commencer à être redondant un peu comme vote, là. le corridor débouche sur un nouveau passage. Bon. Si vous souhaitez aller à gauche, rendez-vous au 250. Si vous préférez tourner à droite, rendez-vous au 333. Gauche ou droite? Choix numéro 1, droite. Choix numéro 2, sud. Je coupe la musique. Et je starte le poll, vous avez une minute pour voter, c'est parti. Si vous nous écoutez sur Facebook, je vous invite à vous créer un compte Twitch, à venir nous rejoindre, le lien est dans la description. On a bien du plaisir, faire un compte Twitch est gratis, c'est une belle communauté de gens qui nous écoutent. Et il y a plein de gens à découvrir, tel Antoine Lavigne, tel Elvino, qui est peut-être ou pas dans le chat, on va voir plus tard. Le Jobby One qui s'est abonné tantôt, merci d'où d'intense. Et là, petite parenthèse, il y a André Morin qui m'a liké sur Facebook. Un des propriétaires de la microbrasserie Saint-Pancras, je bois tes produits, André. Exactement comme à toutes les soirs depuis fucking quoi, 4 mois. Donc là-dessus, je profite du 20 secondes qui reste pour faire un peu de ASMR au profit de Pascal. Ça va comme suit. Aucune idée si on l'entend au travers de la toune. On l'a très bien entendu. Les gens du stream ont la petite toune de The Price is Right, mais nous autres, on l'entend pas dans le... Ah, oh, ok, ouais. Bon, mais la toune, je sais pas. Nous autres, on l'avait pas. C'était presque érotique, je sais. Les amateurs de bière aiment ça. Et là, on se dirige vers le sud. Et ma bière fait de la broue, malheureusement.
Ça, c'est la Passage, gauche, donc, c'est hein? ouais, Donc, la gauche. rendez-vous au 200, 250. 250. 250. Tranquillement. Microbrasserie Oh. Saint-Pancras, mesdames et messieurs, je bois la sinueuse. On a bien du fun. Voilà. J'espère que vous aurez du plaisir pour ce restant de soirée. Il reste environ 40 minutes. Oh ouais, Vas-y, on ça se a peut pas qu'on est mal bon. Dis-moi. de paragraphes à lire encore. Donc, 250. Vous passez devant une porte qui s'ouvre dans le mur de gauche. Son encadrement est décoré de sculptures représentant de hideuses créatures dévorées par les flammes. Si vous Oups. désirez ouvrir cette porte, rendez-vous au 128. Si vous préférez poursuivre votre chemin, rendez-vous au 344. Ça, c'est ça peut être soit une description de ce qui va se passer ou quelque chose du genre un avertissement, il faut que tu ailles le sortilège de flamme, sinon tu t'en sortiras pas, genre. Ça peut aller soit d'un bord ou de l'autre avec cette question-là, je crois. Il y en a Noise Cake Factory aussi qui dit que peut-être qu'on va trouver là des lettres. Ouais, ça serait vraiment ballot, mais pour l'instant, on en a juste trouvé une. C'est pas si pire. Moi, je m'attendais à ce qu'on les trouve toutes puis qu'on crève comme des mardes. C'est quand même pas si pire. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre la porte de feu. Point d'exclamation. Ou, c'est quoi? On décalisse, tout simplement. On l'a-tu, le sortilège de feu? Oui, ils sont là. Parfait. Décoré de sculptures représentant des hideuses créatures dévorées par les flammes. Si vous voulez ouvrir la porte, si vous préférez poursuivre votre chemin, fait que c'est ça. Deuxième choix, c'est Get the fuck out. Choix numéro 1, on ouvre la porte de feu, qui est pas en feu, mais tu sais, c'est une image mentale. Ou Ouais, choix voilà. numéro 2, on get the fuck out. J'arrête la musique, je starte le poll. Vous avez 1 minute, c'est parti. Lily Fatal. Pascal veut des tonnes de Lily Fatal. Ah! Ben, c'est correct, hein? Ça, c'est une petite À parenthèse chacun parce sa que. musique. C'est une petite parenthèse parce qu'on a une couple de running gag, moi, Pascal et Joël, parce qu'on a un band ensemble. C'est des collègues de travail, OK. de très bons amis aussi. Puis on a un band qu'on joue au temps des fêtes. On fait de la musique rock, etc. On rit beaucoup de Richard Séguin et beaucoup de Lily Fatal aussi, entre autres. On a plusieurs insights de même. D'ailleurs, en Chance début de gain stream, là, d'être. je l'ai pas mentionné, mais en début de stream, là, ça parlait des robineux. Ça, c'est une autre affaire de Richard Séguin qu'on a Ouais. ensemble. Richard, notre Bruce Springsteen national. Hey boy, c'est peu dire. C'est très peu dire. On a 72% vers la porte de feu. Il reste 1 seconde et c'est terminé. Voilà, je ferme le poll. C'est donc 73% qui votent pour ouvrir la Quand porte avec même. des motifs bizarres. Donc, si vous désirez ouvrir cette porte, rendez-vous au 128. 128. Où es-tu? On va éviter. 128. 28, Oh oh là, oh shit! là là. Oh là Oh là, non. certain! Fuck. OK. 128. La porte s'ouvre sur une pièce vide, vide. Exception faite d'un grand tas d'os empilés dans un coin. Ça part toujours bien, ça. Le mur est marqué des raflures qui semblent avoir été faites par des griffes. Par la voûte basse, creusée dans le mur du fond, vous parviennent des grondements. Soudain, la porte qui est derrière vous s'ouvre et trois gros os couverts de viande sont lancés dans la pièce. Avant que la porte ne se referme en claquant. Y a quelqu'un en plus? Oui. D'accord. Le grondement se transforme en sourd aboiement. Et, brusquement, un énorme chien de la mort. Oh. C'est pas moi qui dis de la mort, là. C'est là. Un énorme chien de la mort écumant bondit dans la pièce. Il vous voit et passe immédiatement à l'attaque. Combat, chien de la mort, habileté 9, endurance 10. On est dans marbre. Je suis juste content qu'il y ait l'adjectif de la mort qui précède ce chien. Qui après ce chien, c'est un chien de la mort Parce que tu qui y a des chiens de garde, il y a des chiens de chasse, il y a des chiens de compagnie.
Il y a des chiens bergers, puis il y a des chiens de la mort. Voilà. C'est... Ben, coudonc. Ils sont plus rares. S'il faut en arriver là. Sont plus rares les chiens de la mort. Ben dans la vraie vie, mais dans ces livres-là, il y a plus de chiens de la mort de petit. Effectivement. Alors voilà, combat. Combat, je cherche une toune. Là, j'ai tout le temps à peu près les mêmes playlists. Là. Je vais essayer d'aller le plus creux possible pour quelque chose qu'on n'entend pas d'habitude. Ça ressemble à quoi ça? Nope. Ok. Ça a l'air assez combat-esque. On se bat avec un chien de la mort qui n'est pas dead. Ils ne sont pas deux, je vais donc enlever ces affaires-là. Son habileté est 9. C'est vraiment dommage qu'on ait perdu un point d'habileté parce que de ce fait, oui. Le chien de la mort est plus fort que nous. Il a une endurance de 11. De 10, pardon. De 10, wow. On a un coup, ouais. on peut tanker un coup de plus que lui. Donc, il faut que je vire un point de plus que la créature. Si on se souvient des règles de tantôt, là, je n'y repasserai pas. Okay. Vous êtes fait que toi, habitué. Pour que ça soit nous qui attaquent, il faut que tu roules un de plus que eux autres, que ouais. La créature. T'en plein ça. La créature commence, comme c'est la coutume, avec un 3. Pas super. Faut que je roule 4 minimum pour arriver even. Si on est even, là, il n'y a aucun dommage d'un bord ou de l'autre. Okay. Mais okay. C'est juste match nul. Le colonel McCormick dégaine son épée et assène un coup équivalent à 8. Ce qui est parfait. Et nous en sommes... la créature, le chien de la mort, qui est probablement en majuscule. Ils mettent tous les ennemis en majuscule. Ouais. Ouais. Chien de la mort en majuscule. Perdu 2 points de vie. Et là, il y a le deuxième. Comme ça, je l'enlève. Ok. C'est un duel à mort dans un. Ce qui apparaît est un. Est un genre de pit, justement, de scène. En tout cas, là, c'est un lieu pour se battre. Là. Ça a comme été pensé pour ça. Une arène de gladiateurs, mesdames et messieurs. Le chien se dirige vers nous, toute griffe dehors, avec un 8. Et nous ripostons. Avec un 7, ce n'est pas suffisant. Et c'est le colonel McCormick qui se mérite un 2 de dommage, portant son total à 10. Le combat fait rage dans l'arène. La créature nous assène un 7. Colonel McCormick riposte. Avec un 7 également, mais ce n'est pas assez, mesdames et messieurs. Pour être even, colonel McCormick se fait mordre la jambe. L'atout n'est pas assez awesome pour moi, je vais la skipper. Alors, on a une toune de 300. Ça devrait être quand même être pas pire. Le chien se dirige vers nous. Encore une fois, avec un 3, peut-être était-il fatigué de sa dernière attaque. Le colonel McCormick lui assène un 10. C'est très au-dessus de ce qui nous est demandé. Le total du chien de la mort en majuscule tombe à 6. Le chien se venge avec un 6. Le colonel McCormick tente de se défendre avec son épée, avec un 6 également. Mais comme nous avons su que le total d'habileté du chien est plus élevé que le nôtre, le colonel McCormick se mérite 2 dommages, portant son total à 6. C'est donc nez à nez, mesdames et messieurs. Le combat fait rage. Qui le remportera? C'est ce que nous allons savoir quand le chien attaque avec un 3. Colonel McCormick... Même si on gagne, on va sortir trop magané. Ben non. On est fait fort. Le colonel McCormick vire un 6, ce qui est parfait, et fend l'air avec son épée, touchant le dos de la créature, portant son total à 4. Le chien de la mort assène un 6. Colonel McCormick se défend avec un 4. Ce n'est pas assez. C'est encore nez à nez, mesdames et messieurs. Le suspense est palpable. Que va-t-il se passer? Je n'en puis plus. Le chien... se défend avec un 11, et ça va être dur à battre, parce qu'il faut que je vire un 12. Si je vire pas un 12, ça marche pas. Et bien évidemment, je ne vire pas un 12. Le colonel McCormick tombe à 2 points de vie. C'est le tout pour le tout sur ce jet. Est-ce que le colonel survivra? Le chien vire un 10. Le colonel vire un 9. Et non, le colonel McCormick tombe à 0. Mais là, le colonel McCormick
est mort. Non! Pascal veut son ASMR. Fuck you! T'auras pas de ASMR. Le colonel est mort. Mais non! Il est pas vraiment mort. Parce Oh! que soudainement, il se rappelle qu'il y a une tâche à accomplir. Et son total de vie remonte instantanément à 20. La toune a Bon. arrêté. Pourquoi? C'était hot, là. Come on, la toune. Ouais, la toune. Ouais, la toune. Ok. Le colonel est revenu ben plein de vie. Et là, il est en tabarnak. Il envoie. Shit. Le chien s'envoie un 8. Le colonel envoie un 7. Ça n'est pas assez. Mais le colonel le prend en riant. Et comme envoie, amène-en tes garnottes. Il n'y en a pas de problème. Le chien retourne toute griffe dehors avec un 9. Le colonel se défend avec un 6. Encore une fois, cocky, le colonel prend des dommages comme si de rien n'était. Il fait comme, ben oui, si je Shit. t'insère, fuck you, le chien. Le chien, il va avec un 3. Là, il est pris au dépourvu. Là, il voit que ses dommages font absolument rien au colonel. Le colonel se défend avec un 6 et apporte le total de la créature, du chien, de la mort en majuscule, à 2. Le chien tente de se défendre avec un 11. Le colonel vire un 10. Ce n'est pas assez. Bien évidemment, le colonel McCormick se fait prendre une petite mordée de cuisse, portant son total à 14. Le chien envoie un 3. Et là, le colonel McCormick rit dans sa barbe et lui assène un 6, portant ainsi le total, le coup fatal, n'est-ce pas, au chien maléfique. À zéro. Le chien maléfique est maintenant décédé. C'est une victoire du colonel McCormick, moyennant une mort. Un point de mort. Je vais donc retourner dans mon stream normal, porter le total de morts à 8. C'est donc 80$ qui ira à Homme-Aide Manicouagan pour cette joute du colonel McCormick. Quand même. L'aventure n'est pas terminée, mesdames et messieurs. On a encore une coupe de choses à mettre au clair. On n'a pas les statuettes, on n'a pas vu Malbordus. Ça fait juste Donc, commencer. si vous êtes vainqueur, rendez-vous au 378. 378. Ouais, c'est ici. Votre regard sonde la pénombre du repaire du chien de la mort et vous apercevez un tunnel obscur qui s'allonge à perte de vue. Si vous voulez vous avancer en rampant dans le tunnel étroit, rendez-vous au 95. Et si vous préférez sortir de la pièce et poursuivre votre chemin dans le corridor, rendez-vous au 344. Ben. Donc, est-ce qu'on rampe dans le tunnel ou est-ce que on continue notre chemin dans le corridor? Et pendant que tu places le vote et tout, je vais aller répondre à l'appel de la nature et je vais revenir. Absolument. À tout de suite. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Point d'interrogation. Est-ce que là, plus de commandite, Duf, ou quoi? Ah oui, plus la commandite. Ben oui, commandite de Ben qui m'a donné la fabuleuse webcam que j'utilise. C'est donc 80 plus un 60 de frais de caméra parce qu'il me l'a fait à prix modique. Bien aimable à toi, je verserai donc 60$ en ton nom à Homemade Manicouagan. Mais là, pour l'instant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on rentre dans le trou? Rentre dans le trou? Point d'interrogation. Ou c'est quoi l'autre option? C'est juste décollisser. Rendez-vous si vous préférez sortir de la pièce pour suivre votre chemin. Fait que c'est donc on rentre dans le trou ou get the fuck out. Là je vais faire un pumpkin et simplement marquer pénétrer dans le trou, n'est-ce pas? Trop d'implications de François Longpré. Effectivement, il y a trop d'impact dans ce choix. Malheureusement, c'est les deux seuls choix que t'as. Tu peux te prévaloir ou pas de ton droit de vote, on t'en voudra pas. Mais voilà, c'est vous qui choisissez en tant que tel. Un trou, c'est sûr qu'on rentre. Faut toujours rentrer dans le trou, mon duf. Robbie, il sait comment ça marche. Je vais arrêter le pôle.
Je vais arrêter la musique, c'est-à-dire starter le poll et c'est parti pour une minute. C'est à vous, mes amis. Et là, ça commence direct avec 3 votes pour rentrer dans le trou, 4 votes avec celui de Roby. Et allez-y, prévalez-vous de votre droit de vote. Si vous nous écoutez sur Facebook, je vous invite à faire un tour dans les commentaires. Il y a un lien sur twitch.tv/duf fait la lecture. On a beaucoup de plaisir à faire cette lecture, moi et Toto Lavigne ce soir. Il ne reste que 30 secondes, vous n'avez qu'à écrire un ou deux dans les commentaires si vous êtes abonné Twitch, bien évidemment. Sur Facebook, ça ne sera pas comptabilisé, donc allez-y. Il y a Vinceau qui dit « Tant qu'à avoir tué le chien, on y va. Pourquoi ça être rentré là si c'est pas pour persévérer plus loin? On va juste tuer le chien, on va décoller. » Il me semble que c'est anticlimatique. Il ne reste que 10 secondes et Toto est revenu de son appel de la nature. Rebienvenue Toto. Il y a Clavette qui est arrivé de nulle part pour voter à 111, pensant que son vote allait être encore plus prenant. Et là, il y a Ben qui utilise son droit de membre niveau 2 pour poker les seins de Miss Pancras. Ivo Di Piazza qui poke les seins de Miss Pancras. C'est un peu déplacé. Ça n'a pas sa place. Ça n'a pas sa place dans une aventure épique, surtout qu'ils ne se sont probablement jamais rencontrés. C'est donc mensonger. C'est impossible. C'est 92% pour pénétrer dans le trou. Et là, je n'ai pas vu Zoé écrire pénétrer en lettres majuscules. Je suis un peu déçu. Donc, ce qui nous amène à quel paragraphe, Duff, s'il te plaît? 2 petites secondes. Si on rentre dans le trou, c'est le paragraphe 95. 95. Le trou. Point d'interrogation. 95. Oui, ok, parfait. 95. La lumière diminue rapidement, tandis que vous rampez dans le tunnel. Bientôt, vous n'arrivez plus à distinguer votre main devant votre visage. Est-ce que vous allez invoquer un sortilège de lumière? Si vous le pouvez, ouvrir rendez-vous au 221, ou allez-vous continuer à ramper dans l'obscurité, rendez-vous au 246, ou préférez-vous rebrousser chemin, hein, quitter la pièce et vous engager dans le corridor? On l'a, hein, je pense, le sortilège absolument de lumière. On a le sortilège. Donc, si on utilise ça, c'est au 221. Si on continue à ramper dans le noir, 246. Et si on rebrousse chemin et change de décision, c'est le 340. On n'est pas des moumounes. Comme ça. Ou get the fuck out. C'est ça le troisième choix. C'est soit on fait le sortilège de lumière, soit on continue dans le noir parce qu'on n'est pas des momounes, ou on get the fuck out. Ce sont les trois choix. Comme ça. Okay. Les trois choix sont là. Choix numéro 1, on fait le sortilège de lumière. Choix numéro 2, on continue, on n'est pas des momounes. Choix numéro 3, get the fuck out of this shithole. Je lance le vote. C'est parti, vous avez une minute. Ça va être dénonce. Dénonce ton icône. Écris. Ton emote. Dénonce ton emote. C'est dénonce ton emote. Okay. Dénonce ton emote. On va faire une liste des emotes avait... qui maltraitent le monde. Il y avait agression entre emotes, donc voilà. alors, je pense que tant qu'à l'avoir, le sort, hein, je pense que les gens sont d'accord pour qu'on s'en serve. C'est sûr qu'il faut savoir que ça coûte quand même toujours des points d'endurance, mais pas tant que ça, là. Un ou deux, je pense. Absolument. Le sort de lumière, c'est donc, seulement c'est un, si je me souviens bien. Là, c'est bon. Négligeable. Ouais, c'est ça, c'est pas si pire. Ben, on va laisser le poll finir, mais je pense qu'il y a quand même une tendance claire. Hein? Absolument, il ne reste que 3 secondes. On est à 90% en faveur de caster le sortilège de lumière. Le timer est terminé. Je vais laisser un petit 6 secondes, mais tu sais, c'est simplement pour la forme parce que nous allons
N'est-ce pas? Caster le sortilège de lumière. C'est parti. Envoyez la musique. Alors, c'était lequel, non? 221. Vous prononcez la formule du sortilège. Oh, on s'était trompé, d'offre. Déduisez 2 points d'endurance. Shit. Mais en tout cas. Fait que c'est 2. Mais c'est quand même pas si pire. Et une lumière magique éclaire aussitôt le tunnel. Vous continuez à avancer en rampant et vous apercevez une arbalète fixée au mur. Un peu en avant de l'endroit où vous êtes. À 2 mètres devant l'arbalète se trouve un fil tendu. Vous passez par-dessus le fil sans en déclencher le mécanisme et vous vous faufilez pour dépasser l'arme. Le tunnel aboutit à une pièce poussiéreuse éclairée par des torches fixées au mur. Rendez-vous au 43. C'est bien parce que je pense qu'on se serait fait pogner par l'arbalète hein, si on avait été dans le noir. On a effectivement évité un piège, mais là, c'est juste dommage qu'on puisse pas récupérer cette arbalète-là. Ça aurait non, pu être non. Nice. Ouais, mais c'est pas comme ça que ça marche. Alors, 43. C'est ça, hein, c'est bien ça. Oui. 43, absolument. Tandis que vous marchez sur le sol poussiéreux pour gagner la porte du mur d'en face, votre esprit s'emplit brusquement d'images terrifiantes. Vous hurlez en croyant voir la pièce devenir la proie des flammes. Vous êtes apparemment en train de brûler et la mort semble imminente. What the fuck? Attention. Attention. Le cauchemar dure 5 longues minutes. Puis, sous l'effet de la tension, vous perdez connaissance. Vous revenez à vous environ 1 heure plus tard et, lorsque vous essayez de vous relever, vous vous rendez compte qu'il ne vous reste plus guère d'audace ni de courage. Vos mains tremblent encore et vous vous sentez complètement épuisé. Vous perdez 3 points d'habileté. Sacrément. Vous gagnez en chancelant la porte de fer qui s'ouvre dans le mur du fond pour quitter la chambre de la terreur. Rendez-vous au 117. Aïe, aïe, on est rendu à 5 d'habileté avec cet épisode-là. La chambre de la terreur. Puis on a respawn ah, là, c'était à ça. Fin. C'était ça, la porte avec des créatures qui brûlent. Ben c'était... Ah, oui. Oh, c'est bad. Alors, 117. La porte s'ouvre sur un corridor. À gauche, vous ne remarquez rien d'intéressant, mais à droite... Vous apercevez de vagues lueurs dansant dans la pénombre. Curieux de savoir pourquoi ces lueurs se déplacent, vous vous en approchez. Rendez-vous au 339. Cool. 339. Oh, maman. Combien t'as dit qu'il restait de points? 5. Combien il reste de points? Oh, on a 5 d'habileté, mais on est à 12 d'endurance. C'est pas... 12 d'endurance. Parce que... En vous approchant des lueurs rougeoyantes, vous réalisez qu'elles se dirigent à présent vers vous. 3 insectes géants et ailés bourdonnent bruyamment tout en s'apprêtant à vous attaquer. Combattez les lucioles géantes les unes après les autres. Et là, on a 3 lucioles. Une à 5-4, une à 5-5, une à 4-6. J'aime pas ça, ce livre-là. Mais là, ça change. Ça change la donne, vu que c'est mentionné de les combattre une à la fois, non? Chaque fois que l'une des lucioles gagne un assaut, lancez un dé. Si le chiffre obtenu est 1, 2 ou 3, la luciole émettra une décharge électrique et vous perdrez 2 points d'endurance supplémentaires. Qu'est-ce que tu lis, là? T'es où, là? Après. Tout de suite, l'autre paragraphe dans l'autre page. Ah, oh, il est pas fini le paragraphe, bâtard! Ouais, okay, j'ai appris ça à la dure qu'il fallait toujours lire plus loin. Ben oui, hein, c'est sûr que c'était fini. Ok, ben tu vois, chaque fois qu'une luciole gagne un assaut, lancez un dé. Si le chiffre obtenu est 1, 2 ou 3, la luciole émettra une décharge électrique et vous perdrez 2 points d'endurance supplémentaires. Si le chiffre obtenu est 4, 5 ou 6, la luciole n'émettra pas de décharge électrique. Si vous êtes vainqueur, rendez-vous au 38. Hey, c'est compliqué, compliqué, là. C'est très compliqué, mais surtout très crisp, parce que là, on a 3 créatures à essayer de combattre. Mm-hmm. Ah oui, toi.
Mais au moins, ils se battent une à la fois, donc il n'y aura pas à virer 3D pour les trois créatures et ensuite le nôtre. C'est vraiment une à la fois. Ceci dit, je tombe en mode combat. La créature numéro 1... Attends, il y a Pimadan qui pose une bonne question, par contre. Parce que quand t'as respawné là, à 20 points d'endurance, mm-hmm. t'as pas respawné tes habiletés? T'es resté à 5 d'habiletés? Absolument. OK. Tu montes ton endurance, mais l'habileté n'est pas affectée. Du moins, c'est comme ça que j'avais établi la règle lors de l'épisode de je sais pas trop où. Ouais, ouais. C'est bon. Mais ça me va. Mais c'était une bonne question quand même dans le chat. Effectivement. Donc là, on a 5 d'habileté, 4 d'endurance pour la première créature. Il y a la deuxième créature. Punk Pumpkin qui a pas beaucoup qui a pas beaucoup de confiance, on dirait. Ah, Zoé, come on. On va courir minimum 3 fois, ben oui, t'aurais à le faire, hein. Bon. Believe, Zoé, là, on a 5 d'endurance partout. À la fin, on va se coter là, pour l'aider à payer ce qu'il faut. J'ai amené ça sur ma propre personne. J'assume toutes les conséquences de mes gestes. J'ai dit que j'allais le faire, je vais le faire. 3, 6, voilà. Parce que dans les autres streams, on m'avait proposé justement de me donner de l'argent pour ça. Mais si vous voulez donner directement, je vous encourage fortement à le faire. Passez pas nécessairement par moi, mis à part les abonnements et les bits et tout ça. Oui, mais c'est une bonne façon de le faire aussi, effectivement. Je pense pas que c'est des organismes qui reçoivent trop d'argent dans la vie. Là. Absolument. je pense qu'ils vont prendre tout ce qu'on leur donne et puis ils vont être bien contents. Toutes les scènes sont plus qu'appréciées. Pumpkin, qui me suit depuis le premier stream, est pas pessimiste, elle est juste réaliste. Chance que je t'aime, Zoé. Donc là, on a 5 partout, sauf pour la dernière créature, ce qui fait en sorte que c'est le jet de dés pur, mesdames et messieurs. Il n'y aura pas d'ajout de quoi que ce soit pour dire ça me prend un de plus. Ok, fait que dans le fond, il faut juste tirer plus fort que la créature pour gagner, c'est ça? Effectivement, c'est le jet d'attaque pur. La première Luciole nous envoie un 4. Colonel McCormick se fait aller l'épée. Il riposte avec un 5. Nous réussissons. Et là, j'aurais pas besoin de virer un dé pour savoir si je me fais zapper ou pas, étant donné que ce n'est pas la créature qui a remporté cet échange. La Luciole. Ok, c'est juste 1. Si la créature l'emporte. Ouais, c'est en plein ça. La Luciole numéro 1 nous envoie un 7. Le colonel McCormick riposte avec un 6 également. Un 7, c'est égal. Donc à ce moment-là, il se passe rien. Les deux attaques swingent dans le beurre. Absolument rien. Puis si mettons on avait tiré plus fort, on aurait donc gagné l'échange et ça enlève toujours automatiquement 2 points d'endurance, c'est ça? Absolument. À moins qu'on décide de tester notre chance. Si on teste notre chance, là on a le choix de soit faire plus de dommages à la créature ou moins de dommages si on est malchanceux. Mais jusqu'à là, c'est pas arrivé souvent qu'on utilise la chance. C'est toujours deux, j'imagine, à moins que ça soit spécifié, là, que ça fasse plus de dommages ou... Ouais, comme dans ce cas-ci, que là, ça fait 2, mais si tu vires 1, 2, 3, ben là, ça fait 2 de plus à toi si tu manges des dommages. Hein. Mm-hmm. La créature, encore numéro 1. Créature numéro 1, il va avec un 10. Et choqué, la créature numéro 1. Colonel McCormick riposte avec un 11. Ouh! Colonel McCormick est victorieux, porte le total de la créature numéro 1 à 0. La créature numéro 2 prend place, nous attaque avec un 3. Colonel McCormick se défend avec un valeureux 9, portant le total de la créature numéro 2 à 3. Comme ceci. La créature numéro 2 réplique avec un 10, encore une fois choqué. Colonel McCormick se mange malheureusement. Perd en fin de compte cet assaut. Et là, je dois virer un seul et unique dé. Si je roule 1, 2, 3, j'ai 2 points de plus. J'étais moyen à l'affût, mais ça a l'air que t'as fait une petite erreur de calcul mental, selon le chat. Mais moi, je l'ai manqué, là. J'étais dans mes affaires. Il y a Dan qui dit chute. On va dire chute, mais non, je sais pas commenter, effectivement. je sais pas dans quel. Ok, elle continue là, mais. Moi, bon, je vais continuer à nouer, là, mais dans tous les cas, est-ce que ça change vraiment un résultat? Je sais pas. Tout ça pour dire que j'ai viré un 5, donc je ne mérite pas 2 points
d'habileté, 2 points d'endurance supplémentaires. Ce n'est seulement qu'une attaque à 2. Donc, le colonel McCormick tombe à 10. À 10 correct, on va laisser passer celui-là. Regarde, le nombre de fois que j'ai pas calculé comme du monde, ça se compte sur le, ça se compte sur les doigts de 1000 personnes. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ça se compte sur beaucoup de mains. C'est en plein ça. La lucioule numéro 1, il va avec un 9. Colonel McCormick riposte avec un 4. C'est donc malheureusement pas réussi. Et nous virons un 3. Malheureusement, on se mérite un 2 d'endurance, de dommages de plus. Portant notre total à 6. Ça descend quand même vite. Donc, on ben a oui, hein? Une décharge électrique. Calvasse. La lucioule numéro 2 nous assaque un 9. Colonel McCormick riposte avec un 6, ce n'est pas assez. Est-ce que la créature... Oups, tape le micro. Nous roulons un 6, la créature ne nous zappe pas. Nous sommes à 4 points de vie. La créature nous envoie un 7. Colonel McCormick riposte avec un 8. Le colonel est victorieux. Envoie un 2 points d'endurance de dommage à la créature, portant son total à 1. La luciole. Parce que là, c'est dans ce cas-là, c'est vraiment une à la fois au lieu des alternés comme d'habitude, c'est ça? Ouais, c'est en plein ça. Combattre les lucioles les unes après les autres, comparé à Rumble comme la dernière fois. Okay. Donc là, on a viré 11 pour la luciole qui est choquée. Colonel n'est pas capable de résister et la créature nous zappe en plus. Malheureusement, endurance. Malheureusement, c'est un dommage portant le colonel à 0. Mais voyons donc! Le colonel McCormick est décédé encore une fois. Que se passe-t-il? Mais non! Et là, un soubresaut de vie emporte le colonel McCormick. Il sent ses forces revenir à lui. Comme par magie, la force d'Ivo imbue son corps. Ah ouais, la musique soit plus épique, Calis. Ah. Total de vie du colonel McCormick à 20. C'est de retour, encore une fois. Le combat continue, la créature nous envoie un 8. Colonel McCormick est pas pantoute choqué. Encore une fois, il est cocky, le colonel, quand il vient de se réveiller. Là. C'est. Ah ouais, c'est sûr que quand il respawn, ça va bien. Il se fait zapper en plus, portant direct son total à 16. La créature envoie un 9. Le colonel envoie un... Calice. Mais au moins, on se fait pas zapper. 14, comme ça. C'est juste des lucioles, Steve. Bon, 3. Et le colonel envoie un 4. C'est juste, mais juste pour dire qu'on a réussi. Ouais, mais c'est des lucioles géantes, là, quand même. C'est pas juste des lucioles. Ah ben oui, c'est marqué géant. Bon, ok. J'ai un petit... Hey, attends, t'imagines-tu? Ça fait 10 minutes plus une résurrection qui se bat contre 3 petites lucioles. Ah non, mais c'est Chris à pogner des lucioles. Ils sont tout petits, puis t'as une grosse crise d'épée. Comment tu veux battre ça, là, ou ça? Et là, les lucioles... l'autre luciole s'envoie un 11. Colonel McCormick envoie un 4, ce n'est pas assez. Et avec un 3, on se fait zapper encore une fois. C'est donc 4 de dommages pour le colonel McCormick. Portant son total à 10. Tabarnak, les lucioles, man. La luciole envoie un 6. Colonel McCormick se fait aller l'épée pour un total bien au-dessus. Je sais pas faire des mathématiques à soi, fait que je vais juste dire qu'on est plus haut. Portant le total 6. Quelle bosse, ok. Ça porte son total à 4. J'ai l'impression qu'on devrait pas être ça. Dans ce cas. Ouais, c'est la ça. La créature nous envoie un 7. Colonel McCormick, il va avec un 3. Et malheureusement, ce n'est pas assez, bien sûr. Et on se fait zapper en plus. C'est encore une fois un 4 de dommage. Tabarnak de Calis. Notre total de colonel McCormick est à 6. La luciole continue son attaque incroyable de se faire zapper le monde pour 7. Colonel se défend avec un 5, ce n'est pas assez. Est-ce que la luciole va nous zapper? Oui, tabarnak. 2. On mange une volée! On mange une giga volée. La luciole envoie un 7. Colonel McCormick, là, il est en tabarnak, il envoie un 11. F***.
Fuck you, Luciole, je te tape. Pourtant, le total de la Luciole à 2. Pascal, semble te parler, Duff. Essaie d'attirer ton attention. Je vais arrêter la musique. Que se passe-t-il, Pascal? Quoi? Vas-y. Let's go. T'as 6 secondes pour rire. Avec le délai Twitch. Allez, c'est mort. Fuck you! Ah, ben ouais. Excuse-moi, je pensais que c'était plus important que ça. C'était crissement pas important, même. Ça avait l'air important. Là, c'est le peut-être le dernier échange de ce combat. Du moins, ça va résulter à un mort d'un côté ou de l'autre. La créature envoie un 5. Le colonel McCormick se fait aller l'épée pour un 7. Et c'est le colonel McCormick qui assène le coup victorieux, enfin, à la fucking Luciole. Les trois Lucioles sont maintenant décédées. Yes! Ouais, mais on a perdu, c'était quoi? 34 points de vie ou 32 points de vie en tout? Tabarouette. On a perdu incroyablement de points de vie. C'est pas yob. Notre total de morts est maintenant à 9. Fait que si vous êtes vainqueur, rendez-vous au 38. Nous sommes vainqueurs, mais à quel prix? Mais c'est ça, on est vainqueurs, mais tabarouette, je suis pas sûr que... Oh là là. 38. Vous poursuivez votre chemin le long du corridor qui finit par déboucher sur une vaste salle éclairée par des torches fixées sur de hauts murs, dont la partie supérieure s'incline vers l'intérieur pour former un magnifique plafond doré. Une massive idole de bronze, brandissant une masse d'armes, se dresse au milieu de la salle. On peut la voir ici. Ah oui, t'as peu. Ben, je l'aime. Comme ça. Là. Voilà. Une idole en bronze. Hein? Il vous faudra passer devant l'idole pour atteindre le tunnel qui s'ouvre dans le mur du fond. Si vous passez à gauche de l'idole, rendez-vous au 291. Si vous passez à droite de l'idole, rendez-vous au 381. OK. Ça, c'est un petit peu... Là, c'est une question de perspective. Là, parce que là, si... Oups. Parce que là, si on regarde l'image, on voit que la statue regarde vers la droite. C'est-à-dire vers la droite. Est-ce qu'on veut passer en avant de son marteau ou en arrière de son marteau? Je pense que c'est ça la question. Voilà. Là, il faut vraiment voir l'image parce qu'il dit pas. Hein. Son marteau est à sa droite. Le marteau est à la droite, non? Ben, de ce que je vois sur l'image, oui, effectivement. Si on le regarde encore, ma caméra n'est pas inversée. Fait que là, on voit bien que le... Donc, c'est la bonne... Parfait. Donc, le métro, le marteau est sur la droite. La masse d'armes. Parce que c'est pas spécifié dans le texte qu'est-ce qu'il faudrait faire. Ça prend vraiment l'image. Hein? Ouais, hein? C'est bizarre. Et bien... voilà. Rendez-vous. Donc, si vous passez à gauche, rendez-vous au 291. Si vous passez à droite, rendez-vous au 381. C'est qu'on va au sud de la statue. Point d'interrogation. À droite... de la statue. Et selon le dessin, Punk Pumpkin, il regarde devant lui selon le dessin. Effectivement. Là, je vois juste marquer l'idole en vrai. Idole. Donc, au sud de l'idole. À droite de la idole, ben oui. Choix numéro 1, au sud de l'idole, donc à gauche. Choix numéro 2, à droite de l'idole, donc à droite. J'arrête la musique, je starte le pôle, vous avez une minute, il est là mon truc de vote. Vous avez une minute, c'est parti. Le sud, toujours le sud, ben oui, il y a une grosse tendance au sud, est-ce que attends, c'est vraiment... Je vais voter trop vite. Est-ce que c'est vraiment une
une tactique victorieuse de toujours prendre pour le sud. On va voir. Il regarde vers la droite, effectivement. Ben, en fait, c'est à force de le faire. Hein. Si on prend toujours pour le sud, à un moment donné, on va, tu sais, comme ce qu'on dit, une expression en anglais, c'est « A broken clock is right twice a day ». Une horloge qui fonctionne pas a quand même raison deux fois par jour. Hein. Donc, à force de le faire, on finit par... À force de voter à gauche, ça finit par marcher. Effectivement. En théorie, on est 50% du temps dans le vrai. C'est pas mal. Pas mal ça. Il ne reste que 12 secondes pour vous prévaloir de votre droit de vote. Pour l'instant, c'est 78% se diriger vers le sud de l'idole, donc à sa gauche. Théoriquement, si on se fie à l'image, on va derrière l'idole. On l'espère. Il ne reste plus de temps au compteur. Donc à gauche. Donc on va au sud, oui, à gauche. Le 2,91. Tu sais que t'as qu'à changer, là, Duff. Tu sais que le fait que tu associes la gauche au sud, ça me fait mal au cerveau, moi, parce que c'est la droite que j'associe au sud d'habitude. Et là, c'est le vrai. Ça fuck mon cerveau. Non. C'est difficile. Mais c'est le public qui a décidé que le sud, c'était la nouvelle gauche. C'est toute la faute à Zoé. Donc, 291. 291 sud. Comme vous traversez l'ombre portée de l'énorme idole, celle-ci s'anime subitement. Quelle surprise. Ses articulations de pierre grincent et craquent lorsqu'elle descend de son piédestal. Oh my god. Le golem de pierre s'avance pesamment vers vous. En brandissant sa masse d'armes. Situation de combat, golem de pierre, habileté 8, endurance 12. Il est fucking fort. Ça. Si vous réussissez à vaincre le golem, rendez-vous au 172. C'était quoi à droite, là? 38. 38. Le chemin, le long du corridor, l'idole. Si on va à droite, c'était le... C'est le 381. Si on va 381, qu'est-ce qui se passait juste pour le fun? Eh non, on peut pas faire ça, c'est tricher! Vous passez sous la masse d'armes de l'idole et vous vous dirigez vers l'entrée du tunnel. C'est... Wow! Il y avait mais rien... t'as pas le droit de faire ça, de tricher! Mais c'est cave! Mais là... Pourquoi? C'est le choix logique d'aller derrière, tabarnak! Oui, mais c'est cave parce que... Parce que c'est ça, parce que tu roules les dés avec le talent qu'on te connaît, mais quelqu'un qui roulerait des bons dés, peut-être qu'il trouverait pas ça si pire. Il y a personne qui roule des bons dés avec un 5 d'habileté. Hein. C'est sûr, ça, c'est sûr et certain. Mais bon, je pense qu'en même temps, on peut, comme on a, je pense qu'on a comme un peu accepté le fait qu'on pouvait respawn un peu n'importe quand. Parce que ouais, c'est pas avec 2 points d'endurance qu'on va venir à bout du golem de pierre. Ça se peut que ce soit une autre itération de moi qui vire un dé pour savoir combien de fois on est mort dans ce combat-là. Envoyez musique. C'est pas assez épique. Envoyez musique. Bon, ok. Hey, avant que tu commences, il y a Pimandan qui a une bonne suggestion sur le chat. Lorsqu'on arrive à 10 vies de perdu, on reset aussi l'habileté. Sinon, ça ne sert pas. C'est une règle qui est valable. C'est jamais arrivé qu'on dépasse le 10 jusqu'à date. On peut faire voter au pire, mais les gens semblent d'accord, mais au pire, on fera voter. Puis. Mais j'approuve, moi, quand même. Là, c'est... Oh ouais, c'est une bonne... 10, on s'entend que c'est un milestone. Là. C'est, ça arrive une fois à toutes les X. Hein. Donc, habileté 8. Tabarnak, il est fort. Il est pas aussi fort que le vert des sables, mais il est déjà fucking fort. Pour 12. Donc là, on est à 5... Faut que je vire 3 au-dessus de la créature, sinon c'est elle qui fesse.
Le golem de pierre se dirige vers le colonel McCormick avec sa masse d'armes et lui assène un 6. Colonel McCormick doit virer un... Comment j'ai dit? 3 de plus? Ouais, 3 de plus. 3 de plus. Fait que faut que je vire 9. Mmh. Malheureusement, je vire un 4 et le colonel McCormick se mérite 2 points et est mort. Calvaus. Hey, la musique a arrêté en plein quand je disais... Ben oui, la musique a décidé de te laisser vivre ton deuil. En paix. La musique est déjà au courant que le colonel McCormick est mort. Calvaus. Et là, ça arrive à combien? C'est la 9e, ça, je crois? Ou 9e et là, ça arrive à 10. C'est ça? Ouais, là, on est à 9 de mort. Donc là, on arrive à 10. Le colonel McCormick se relève et là, il est pas content. Soudainement, non seulement il est revenu à 10 d'habileté, non seulement il est revenu à 20 d'endurance, c'est-à-dire, mais il revient à 11 d'habileté. Voilà. Soudainement, l'esprit d'Ivo Di Piazza possède son corps pour dire « Là, man, t'es pas assez hot, je vais m'occuper de ça à ta place, check bien ça. » L'ennemi... ne sachant pas à quoi il s'acharne, frappe avec un 9. Le colonel McCormick, avec sa nouvelle force de plus 3, il va avec un 7 qui est en fait un 10. Comment j'ai viré pour la créature? 8? 8. Ok, tu le calcules de même. Fait que là, il y a 3 différences en faveur du colonel. Fait que ouais. Là, toi, tu vas toujours ajouter 3 à ton jet de dés. T'en plein ça. Faut savoir. Ok, parfait. Fait qu'en théorie, le colonel est plus fort que la créature. Si je fais pas de faute de mathématiques encore, Ben saura me le dire dans les commentaires. Le golem de pierre perd déjà 2 points d'endurance. Colonel McCormick. Non, le golem, il va avec un 6. Colonel, il va avec un 4. Mais un plus 3, donc c'est donc 7. Ça joue en ma faveur, portant le golem à 8. Merci, esprit vigoureux d'Ivo Di Piazza. Le golem, il va avec un 9. Le colonel, il va avec un 5, qui est en fait un 8. C'est donc pas assez. La musique est épique, là. C'est donc pas assez, malheureusement. Le colonel se mérite un 2 points de démérite. Le golem recommence avec un 7. Le colonel McCormick, il va avec un 7 également, mais étant donné qu'il est plus fort du côté d'habileté, le golem de pierre se ramasse donc avec un 6 d'endurance. La créature se choque, envoie un 11 au colonel McCormick, mais le colonel McCormick, d'un 4, n'est pas capable de se défendre, se mérite donc un autre 2 points d'endurance, portant son total à 16. Le golem, encore une fois, avec sa masse incroyablement lourde, lui envoie un coup équivalent à 8. Le colonel a un 6, mais étant donné qu'il est 3 points de plus fort que le golem de pierre, réussit à lui porter un coup, portant son total à 4. Golem de pierre sent la fatigue un petit peu. Son total est de 6. Il vaut 10 piazza à 4, mais étant donné qu'il est encore une fois plus habile, porte son total à 2. Le golem de pierre, il va avec l'énergie du désespoir, il va avec une force 8. Colonel McCormick, avec une force 5 plus 3, réussit quand même à ramener l'équilibre. Et c'est donc match nul pour cette joute. Cette fois-ci, le golem est vraiment plus capable, vire un faible 2. L'énergie sort de ce golem qui est pourtant magique, il devrait pas avoir tant de stamina que de ça. Mais le colonel McCormick lui envoie un fulgurant 14. Et le golem de pierre est tellement fucking mort. Écoute, le colonel McCormick fesse dessus avec son épée comme un débile. Et les bouts de roche revolent partout. Le golem de pierre est décédé. Yeah, comme dirait Pascal, c'est malade. Et là, on a gagné plusieurs bonus et je suis content en tabarnak. Écoute, Duff, à la lumière de l'heure qu'il est, je te proposerais qu'on arrête ici. On est vainqueur, on va donc commencer la semaine prochaine au paragraphe 172. 172. C'est ce que je te propose. 12. Ben écoute, effectivement, qu'il est 10h10. J'ai présentement l'appel de la nature également.
Donc, étant donné que les gens sont habitués, hein, on arrête à 10 heures, c'est pas mal legit que C'est je ça. dise que le stream est pas mal terminé. Ça finit sur une bonne note. Écoute, on a repris tous nos points Écoute, une belle d'endurance, victoire, ouais. tous nos points d'habileté, Ouais, là, deux on est victoires. en forme là, pour avancer, là. Absolument. Et là, avec un total de 10, 10 total de morts, c'est une première. On n'est jamais mort autant de fois que ça. Je crois que le Homme aide Manicouagan C'est un sera livre bien heureux. difficile. C'est effectivement un livre difficile. Je ne sais pas comment est-ce qu'il est coté, là. Il y a un site qui existe qui est Ah ouais, Planète Livre dont qui vous êtes les les rate, là. héros, là, qui les rate. Ben, en fait, c'est les utilisateurs qui lui donnent des notes. Je ne sais pas comment ils l'ont noté, celui-là, mais Mais il est quand même bien, il... mais il pardonne pas. Il pardonne Non, il est absolument pas. rough. Bon, ben voilà, Dove, donc on va se revoir la semaine prochaine. Finalement, ça sera pas moi. En tout cas, tu peux raider ma chaîne si tu veux, mais il se passera rien dessus. Ok. Donc, je te Ben conseille de pas le d'abord, faire. Mais je vous invite quand même, c'est la dernière fois que j'en parle, mais je vous invite quand même demain sur ma chaîne pour Héritage Net in Canada. Et demain, je vais poursuivre après. Je vais twitcher là, jusqu'aux petites heures du matin. Donc, peu importe quand est-ce que vous pouvez débarquer sur ma chaîne pour vous accueillir avec joie. absolument, c'est un rendez-vous. Je vais être personnellement présent. Ça va être super. J'ai bien hâte d'assister à cette joute opposant Xavier Galarneau à la vie. En fait, Voilà. toute la famille Galarneau, pas mal, là, c'est pas mal là que c'est rendu, là. Voilà, ouais. Là, présentement, Excellent, ben si on veut faire un raid, il va y Ouais. avoir Elvino qui est présentement live, il y a Radio Talbot qui est Vendu. live, mais je pense que là, Elvino est arrivé Non, tantôt mais pour nous voici. faire un petit follow. Ouais, mais c'est pas juste ça, c'est, tu sais, je veux dire, j'adore, mettons, Talbot, tu sais, j'adore Denis Talbot, mais il n'y a pas besoin, tu sais. Tu comprends? Non, effectivement, Comme. il n'y a pas besoin de Quand même, pub, même puis... tu y amènes 15 personnes, mais Elvino, ça va lui faire extrêmement plaisir. Et c'est vraiment de qualité ce qu'il fait. Donc, si vous pouvez rester avec nous, on va aller raider sa chaîne, ça va être malade. Effectivement, c'est drette là qu'on s'en va. Je fais Raid Elvino Movies avec un S. Normalement, c'est-tu bien ça? Je suis un épais qui sait plus lire. Elvino Movies avec un S. Elvino Movies avec un S. Voilà, c'est parti. Le raid est commencé, mesdames et messieurs. Dites bonjour à Elvino quand vous serez là. Envoyez-y des Ivo. Probablement qu'il va vous accueillir avec son fidèle sketch de Tiga, son puppet, parce que c'est un puppet master en plus, Elvino, là. Il fait plein d'affaires incroyables. Dites-y bonjour de ma part, et puis de toute façon, je viens avec vous. Merci encore une fois, Toto Lavigne, de ta présence dans ce stream. C'est toujours bien apprécié. Une J'ai beaucoup joie. de plaisir. Une joie. Et écoute, on se retrouve lundi prochain, je l'espère. Soyez là, tout le monde. Je vous aime fort. Bonne fin de soirée. Bye bye.